Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer la séance. Donc, bienvenue dans cette troisième discussion organisée par l'UMR Prodig consacrée au Sud face à la COVID-19. Je rappelle très brièvement l'idée qui est à l'origine de ce séminaire. Un an après le début de la pandémie et aujourd'hui un an et un jour après le premier confinement en France, on a souhaité contextualiser l'épidémie et ses conséquences sur nos terrains de recherche à partir d'approches territoriales qui sont les nôtres, avec l'ambition de pouvoir discuter la dimension générique ou spécifique de ce qu'on a pu observer dans des pays des Sud par rapport à des contextes des Nord, mais aussi de mettre en résonance des analyses portant sur différents contextes nationaux en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Alors, cette discussion, elle s'est organisée en trois temps. Le 19 janvier, on a mis l'accent sur la question des inégalités. La séquence avait été organisée par Evelyne Mesquillier et Rémi de Bersegol. Le mois dernier, donc le 19 février, on avait abordé le sujet sous l'angle du politique et de la géopolitique locale. La séance avait été organisée par Irène Valituto et Alexis Sierra. Je peux revenir sur quelques enseignements principaux de cette deuxième séance, ce deuxième épisode. Il avait souligné combien une crise pandémique comme celle que nous avons vécue fonctionnait souvent comme catalyseur de dynamiques déjà engagées, qu'il s'agisse de la mise en place de processus plus démocratiques ou au contraire d'affirmation de pouvoir autocratique. On a pu voir combien cette crise a constitué un moment favorable au déploiement du pouvoir d'État, mais aussi à l'expression de résistance et de mobilisation des habitants à différents niveaux, qui ont aussi, d'une certaine manière, exercé leur pouvoir. Alors, cette discussion avait été organisée en deux temps. Hein, d'abord, la réaction politique à la première vague épidémique, les premières mesures qui avaient été mises en place, et puis ensuite les conséquences économiques, sociales, politiques de ces mesures. Les présentations qui ont été faites ont montré la centralité de la crise dans le politique. Je dirais, quelle que soit l'ampleur de l'épidémie, c'était quelque chose d'assez spectaculaire avec les exemples qui étaient traités, puisqu'on avait un pays parmi les plus touchés au monde, comme le Pérou, et puis aussi un des pays parmi les moins touchés, ou en tout cas qui a été peu touché, comme le Togo. En Tunisie, on avait vu que la crise avait souligné les recompositions en cours du pouvoir au niveau local, entre représentants du pouvoir central de l'État, collectivités locales et sociétés civiles. En Chine, on avait pu voir combien la COVID-19 avait représenté une occasion supplémentaire pour le gouvernement de s'imposer, de renforcer son pouvoir, y compris à un niveau très local, qui avait été abordé à partir des lieux de champ, notamment à Shanghai. Au Togo, on avait vu que les mesures de restriction, tout comme l'aide aux démunis, avaient été mises en scène par l'État pour essayer de se légitimer dans un contexte politique national, à la fois de contexte autoritaire au long cours et de contexte conflictuel. Et puis au Pérou, on avait vu que le risque sanitaire était apparu comme un instrument de gouvernement dans un pays qui était parmi les plus durement touchés et marqué par des mesures de confinement parmi les plus longues et les plus strictes. On avait pu voir que la politique sanitaire avait été utilisée comme un instrument de légitimation du pouvoir, mais que ça n'avait pas empêché des turbulences politiques majeures de s'installer ensuite, dont la dimension sécuritaire n'était qu'une dimension, je dirais, un peu secondaire ou périphérique parmi beaucoup d'autres. Alors, aujourd'hui, donc ce 19 mars, nous allons aborder la question de la COVID dans les Sud sous l'angle des données. Cette séance d'aujourd'hui a été organisée et préparée donc par Benjamin Lisanuc et Emmanuel Bonnet. Les présentations permettront un dialogue, comme à chaque fois, entre trois perspectives continentales. Donc, Fernando Ochoa nous parlera depuis l'Équateur, Olivier Tell nous parlera depuis l'Inde, et puis Emmanuel Bonnet nous parlera depuis la situation de l'Afrique de l'Ouest. La discussion qu'on va avoir aujourd'hui va marquer en quelque sorte la fin de la saison 1 de notre séminaire. Est-ce que ce moment coïncide avec la fin de la crise Covid? C'est une question qui pourrait paraître provocatrice quand on parle depuis Paris, qui vient d'être reconfiné pour la troisième fois. Ce qui est sûr, c'est qu'après un an d'épidémie, les progrès dans la vaccination semblent augurer une situation nouvelle dans les pays qui pourront vacciner rapidement leur population. Mais d'une part, on n'est pas forcément au bout de nos surprises avec ce facétieux virus. Et puis par ailleurs, les rythmes de la vaccination sont très inégaux, en particulier dans les pays des Sud.
Et la crise actuelle va laisser des traces multiples aussi qui justifieront à la fois d'approfondir un certain nombre de thèmes qu'on a déjà abordés ici et aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives. Alors, par rapport à tout cela, le groupe de membres du laboratoire Prodig qui a été à l'origine de ce séminaire va discuter prochainement des suites éventuelles à donner à ce séminaire sous une forme qui, comme les confinements successifs que l'on traverse ici en France, sera sans doute renouvelée pour répondre à des enjeux comparables. Comparer l'épidémie pour le confinement, contrôler l'épidémie pardon, pour le confinement et l'analyser sous un angle territorial et comparatif pour ce qui nous concerne. L'objectif restera le même, mais on verra sous quelle forme ça pourra se réaliser. Je termine ce mot introductif en remerciant Emmanuel Bonnet et Benjamin Lisianuc d'avoir organisé la séance du jour, et puis Fernando Ochoa et Olivier Tell qui ont accepté de venir partager leur expérience et leur réflexion sur le sujet avec nous. Donc merci beaucoup à tous les quatre. Et je voudrais aussi remercier Thierry Husberg et Samuel Arroutunian pour les supports de communication, l'accompagnement technique, la mise en ligne sur YouTube notamment. Je précise à toute fin utile que les enregistrements des trois premières séances du séminaire sont disponibles sur le compte YouTube de Prodig, dont l'adresse figure notamment sur notre site Internet. Benjamin, Emmanuel, à vous la parole. Merci beaucoup, Jérôme. D'emblée, je vous demande, m'entendez-vous ? Super. Chers collègues, chers amis, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui face à la COVID-19. Cette séance vient conclure un premier cycle de réflexion autour de la crise de la COVID-19 dans les Suds. Comme vient de le rappeler Géraud, après vous avoir proposé une lecture socio-spatiale puis géopolitique de la crise dans les Suds à différentes échelles sur différents continents, nous allons aujourd'hui aborder la question cruciale des données sanitaires. Moins de cas confirmés en Chine qu'en Albanie. Des vagues épidémiques asynchrones dans des pays voisins en Afrique de l'Ouest. Une seconde vague absente en Inde jusqu'à la mi-février 2021. Plus de cas à Guayaquil qu'à Quito au cours de la première vague en Équateur. Ces quelques exemples démontrent la nécessité de questionner les processus de collecte des données, leur fiabilité, leur traitement, l'appréhension des indicateurs produits dans les politiques de gestion de la crise. Reprenant quelques éléments avancés en amont de ce séminaire ou dans le texte d'appel, nous rappelons que la surveillance épidémiologique s'appuie sur la collecte de données sanitaires à la base du calcul d'indicateurs visant à éclairer la prise de décision. Cette surveillance s'articule généralement avec un réseau de collecteurs de données et autorise le suivi de l'évolution temporelle de pathologies ou l'appréhension des dynamiques spatiales dans le cadre d'une diffusion épidémique. Les finalités d'une telle surveillance sont multiples. Elle permet tout d'abord d'alerter la puissance publique dès lors qu'une maladie, dans le cas qui nous intéresse ici, une maladie infectieuse, dépasse un nombre de cas attendus. Le franchissement d'un tel seuil constitue alors, en théorie, la mise en place de mesures de contention du phénomène épidémique. La surveillance épidémiologique, par le suivi spatio-temporel de pathologies qu'elle suppose, autorise également un travail de fond sur les facteurs de risque associés. L'hétérogénéité spatiale et temporelle du signal sanitaire permet ainsi de questionner, entre autres, des facteurs exogènes, qu'ils soient environnementaux, démographiques ou encore sociaux, potentiellement explicatifs, des différences observées à l'échelle des territoires. La crise de la COVID-19 a mis au jour un panel plus large d'indicateurs, et pas nécessairement nouveaux d'ailleurs, servant la prise de décision. Au-delà du couple traditionnel, morbidité, mortalité, d'autres données sont venues compléter le panorama des indicateurs. Le nombre de tests réalisés, le nombre de cas positifs ou encore le taux d'occupation hospitalière. Ces données, entre guillemets, nouvelles, font écho à certaines spécificités de la COVID-19, comme le pourcentage important de cas asymptomatiques ou encore la part importante de malades devant avoir recours à une hospitalisation. En complément de cette instantanée qu'autorise la surveillance épidémiologique, les données produites sont à la base de calculs s'attachant à réduire plusieurs dimensions de l'incertitude. Il s'agit là, bien entendu, d'une liste non exhaustive, incertitude spatiale, par exemple, en proposant un lissage des données sur les territoires dépourvus de collecteurs, ou incertitude temporelle ensuite, dès lors qu'il va s'agir d'utiliser ces données comme base de modèles prospectifs visant à anticiper la dynamique future de l'épidémie. Cette surveillance épidémique en temps de COVID-19 met en lumière
de théoriques inégalités nord-sud entre des pays dotés d'instruments de suivi supposés performants et d'autres marqués par des dispositifs supposés moins denses ou aboutis. En miroir, certains pays touchés par des crises sanitaires récentes liées à des épidémies de maladies infectieuses bénéficieraient en théorie d'un avantage lié à l'expérience acquise dans la gestion de tels événements. Le suivi quotidien à l'échelle des pays, donnant à voir un nombre de malades, au cas près, pose nécessairement la question quant à la fiabilité des données et dessine parallèlement l'illusion du contrôle, comme me le faisait remarquer mon collègue Alexis Sierra quelques jours avant la mise en place du premier confinement en France. En s'inscrivant dans la philosophie du séminaire Les Suds face à la COVID-19, cette séance, axée sur les données, vise à éclairer non seulement les pratiques de la surveillance épidémiologique de la COVID-19 dans trois régions, mais également l'appréhension des données produites dans une optique de suivi, d'anticipation et de gestion de l'épidémie de COVID-19 dans ces trois régions du monde. Trois présentations, donc, liées à trois terrains de recherche distincts sur trois continents, vont rythmer la séance du jour. La première, celle de Fernando Barragán Ochoa, abordera le défi de la surveillance épidémiologique en Équateur. La seconde, celle d'Emmanuel Bonnet, appliquera une lecture quasi chronologique, cas, réponse, adaptation dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest à partir des données du site COVID-19 Afrique. La troisième, enfin, celle d'Olivier Tell, développera certaines modalités de la surveillance épidémiologique en Inde, en axant également son propos sur les permanences et les évolutions de la gouvernance sanitaire dans ce pays. Au nom de l'ensemble des organisateurs du séminaire, je remercie une nouvelle fois chaleureusement nos collègues d'avoir accepté de présenter leurs travaux dans le cadre de cette séance, Emmanuel jouant par ailleurs le rôle de co-organisateur et de communicant. Avant de céder la parole aux invités, qu'il me soit permis rapidement de vous présenter l'organisation de la séance du jour. Nos trois invités disposeront chacun d'une vingtaine de minutes pour effectuer leur présentation. Chaque présentation sera suivie par un temps de questions rapides, un temps court, de questions rapides de compréhension directe. À l'issue des trois présentations, nous entrerons enfin dans un temps de synthèse-débat au cours duquel il sera bien entendu possible d'interroger une nouvelle fois nos intervenants sur le fond. La première présentation est donc celle de Fernando Barragán Ochoa. Fernando est titulaire d'un doctorat en géographie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mené à la suite d'un master en géographie des pays en développement dans la même université. Il est par ailleurs titulaire d'un master en développement régional et aménagement du territoire de l'Université pontificale catholique d'Équateur à Quito. Il a travaillé dans la gestion de bases de données géographiques dans le domaine de la planification et de l'aménagement du territoire. Il fut également consultant pour des institutions internationales sur des thèmes comme les changements climatiques. Il est actuellement enseignant-chercheur à l'École de prospective stratégique de l'Institut des hautes études nationales de Quito. Parmi ses thèmes de recherche, Fernando cite notamment les changements climatiques, les risques, les relations pays-ville, l'aménagement du territoire, la modélisation territoriale ou encore la visualisation des données. Fernando est l'auteur d'un biais récent et remarqué sur le carnet hypothèse de l'Institut français des études andines, dans lequel il questionne les données à la base de la prise de décision dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 en Équateur. Le titre de sa présentation est le suivant. COVID-19 en Équateur, le défi de la surveillance d'une dynamique multiscalaire. Fernando, c'est à toi. Bonjour. D'abord, je veux remercier de cette invitation. Je suis très content d'être ici parmi vous. Et c'est pour dire que c'est presque comme chez moi, donc je suis très content, comme je disais. Et bon, on va parler sur l'Équateur et on va parler sur qu'est-ce qu'on a fait dans mon pays pour essayer de gérer la crise, surtout depuis cette approche des données. Et je vais présenter donc un diaporama et je pense que vous pouvez voir déjà. Oui, c'est le cas? OK. C'est bon. Merci. Bon, donc de cette présentation, je vais... Il est divisé en trois parties. Donc, d'abord, je vais parler sur les systèmes de surveillance qui existaient déjà avant la crise de la COVID et comment ces systèmes ont été utilisés dans ce contexte. Après, on fera un bilan de la pandémie en Équateur. Et à la fin, on parlera sur l'usage des données pour gérer la pandémie. Et on va voir les diverses initiatives qui ont été faites pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en Équateur.
Bon, d'abord, il faut dire que ces systèmes de surveillance sont importants dans les pays parce que les pays, les territoires de l'Équateur sont exposés à divers aléas épidémiologiques. Donc, par exemple, il y a les arbovirus, il y a les malaria, il y a les leishmanios, les chagas, les onchocercoses, la peste. Ce sont des virus, des aléas épidémiologiques qui sont toujours dans ces territoires. Donc, les institutions de l'État ont essayé de faire face à toutes ces problématiques. C'est pour cela donc, que dans cette structure du gouvernement, il y a au moins deux parties qui essayent de donner des réponses à ces problématiques. Je pense qu'il est un peu petit pour voir, mais je vais essayer. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. J'ai changé de panneau. Mais bon, dans ce cas, je vais montrer que ici, il y a tout ce côté que c'est le secteur du social, du gouvernement. Donc, dans cette partie, il y a le ministère de la Santé. Mais il y a aussi dans ce secteur qui est le secteur de la sécurité, qu'il y a le service national de gestion des risques. Donc, c'est deux institutions qui ont été très importants dans la gestion de la crise, mais comme vous voyez, ils sont très éloignés dans les structures de l'État. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'il a fait chaque institution. Des côtés du ministère de la Santé, donc, il y a le sous-secrétariat national de la vigilance de la santé publique, et au-dessus de ce sous-secrétariat, il y a la direction nationale de la vigilance épidémiologique. Donc, cette direction, il travaille sur tout ça, sur un suivi de différentes maladies. Et dans ces maladies, il y a les maladies respiratoires. Donc, c'est ce système qui a été utilisé d'abord pour essayer de suivre les données sur la pandémie, pour essayer de faire des tests de gens. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc, comment est-ce que ça se marche ça? Ça s'appelle le CIBE Alerta. Et c'est le système de surveillance épidémiologique. Donc, ça fonctionne un peu comme ça. Il y a toute la population, et il y a après les épidémiologistes, et il y a les systèmes dans lesquels sont chargées toutes les données. Et quand il y a quelques personnes qui sont malades ou qui ont des symptômes liés aux maladies infectieuses. Donc, ça, c'est un système qui est mis en place en Équateur depuis 2012 avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, chaque année, en moyenne, il y a eu, pendant la période de 2012-2019, en moyenne, 32 000 registres de gens qui ont eu des symptômes liés à ces maladies. Et donc, ce même système a été utilisé d'abord dans le cas des coronavirus. Mais on a vu que ce système a été très restreint pour essayer de suivre la dynamique de la pandémie. Et donc, si j'avais dit que dans les années précédentes, la moyenne des cas de registres dans ce système a été 32 000, en 2020, il faut dire qu'il a changé à plus de 700 000. Et donc, il a explosé la quantité de registres et ce système n'a pas arrivé à travailler avec ces changements. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de novembre, les gens du ministère de la Santé, ils ont décidé de créer un nouveau système donc, qu'ils ont appelé le COVID-PCR. Et ça, c'est un changement très fort parce que ça implique des bases de données différentes. Donc, aujourd'hui, quand les techniciens font des présentations sur les cas de données, ils doivent chercher dans les bases de données de CIF Alerta et aussi dans la base de données de COVID-PCR. Donc, c'est un problème. Et aussi, il faut dire que ce système CIF Alerta n'était pas très fonctionnel dans les cas de COVID parce que, par exemple, une même personne dans les cas de COVID peut avoir plusieurs tests. Donc, c'est une dynamique qui n'a pas été comprise dans ce système. Donc, c'est pour ça aussi que le nombre de cas est très élevé, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a 600 000 cas de COVID,
mais plutôt de 700 000 registres de gens qui ont eu des symptômes. Et quelques-uns ont été des COVID positifs, mais d'autres négatifs. Mais donc, tout ce système doit gérer toutes ces données. Et il faut dire aussi que ce système est lié à la surveillance des cas, mais il n'est pas lié à la suivi de ce qui se passe avec un cas. Par exemple, on ne peut pas savoir dans ce système si cette personne qui a été COVID positif, par exemple, est mort après ou après il est déjà bien. Donc, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé avec cette personne. Donc, on peut voir qu'il est un système qui a été intéressant pour d'autres maladies, mais dans le contexte de COVID, a été très restreint pour suivre ces dynamiques. Et bon, tout ça, ce que je vais montrer un peu de façon schématique, ça se passe aussi dans le territoire. Et il faut dire que le ministère de la Santé travaille d'une façon déconcentrée. Donc, ça veut dire qu'il y a le ministère de la Santé qui gère toutes les politiques publiques, qui gère toute la planification, comment ça va marcher. Mais après, il y a une façon de travail qui est très liée au territoire. Donc, pour cela aussi, dans le processus de la révolution citoyenne qui s'est passé il y a 10 ans en Équateur, donc, ils ont changé un peu la gestion des territoires. Donc, ils ont créé des 9 zones de planification et d'administration. Donc, tous les territoires de l'Équateur étaient divisés dans ces 9 zones. Après, il y a les coordinations de chaque zone. Et tous ces territoires ont été divisés aussi dans 5 grands districts de santé. Dans, au moins au début de comment ça devrait fonctionner ce système, dans chaque district, il y avait deux épidémiologistes chargés de mettre toutes ces données dans le système. Mais dans les dernières années, il y a eu une diminution très forte de ces gens. Donc, il y a des districts où aujourd'hui, il n'y a pas d'épidémiologistes et d'autres districts où ils ont diminué très fortement ces quantités. Donc, la pandémie est arrivée en Équateur aussi dans un moment où les institutions ont changé beaucoup. Et ce changement est lié à un affaiblissement du rôle de l'État dans la gestion des territoires et dans la gestion aussi des services publics comme la santé. Donc, il y a eu ce changement aussi. Donc, même si les systèmes fonctionnaient bien, il y aura toujours ce problème de manque de spécialistes, d'épidémiologistes qui peuvent faire la suivi de cette maladie. Donc, ça c'est pour parler un peu sur ce côté du ministère de la Santé. Maintenant, je vais parler plutôt du côté de la sécurité. Donc, dans ce cas, le rôle majeur est du Service national de gestion des risques et catastrophes. C'est l'institution qui est en charge du système national décentralisé de gestion des risques. Dans ce cas, on est en train de parler plutôt d'une dynamique décentralisée qui est différente de la dynamique déconcentrée que je viens de parler avec le ministère de la Santé. Donc, dans la gestion décentralisée, ça veut dire que chaque niveau de gouvernement à les pouvoirs de prise de travail au niveau des provinces, au niveau des cantons, au niveau des paroisses, qui sont les 4 niveaux de la gestion des territoires en Équateur. Donc, tous ces comités de supervision de surgence travaillent avec des commissions. Donc, c'est pareil pour tous les niveaux. Donc, il y a une commission technique de l'eau, d'assainissement de gestion des déchets. Il y a une commission technique de la santé. Il y a une commission technique des services basiques et essentiels. Et il y a une commission technique des hébergements temporaires et de l'assistance humanitaire. Comme on peut voir, l'organisation de ces COE, de ces comités de supervision des urgences, est très liée aux aléas naturels, comme par exemple les tremblements de terre, comme par exemple les inondations, comme par exemple les tsunamis et tout ça. Donc, la façon de travailler des COE, de ce comité de supervision des urgences, est très liée pour répondre à ces urgences. Mais ce n'est pas forcément lié à répondre à une dynamique d'une pandémie. Mais
Et les COE ont eu un rôle majeur dans la gestion de la crise de la pandémie en Équateur. Donc, c'est les COE le lieu où ont pris des décisions, comme par exemple la fermeture des frontières, comme par exemple les mesures de télétravail, comme par exemple les mesures de l'interdiction de l'usage d'espace public, par exemple. Mais dans toutes ces décisions, je voudrais me centrer sur les décisions qui sont prises pour la gestion territoriale de la crise. Donc, le COE a donné de nouveaux pouvoirs au niveau des cantons, au niveau des mairies en Équateur, pour la gestion de la crise. Il faut dire que les mairies sont déjà en charge de ces compétences des services publics, de l'espace public, des marchés, mais dans le contexte de la circulation aussi, mais dans le contexte de la COVID, ils ont eu de nouvelles compétences. Donc, par exemple, l'ordonnance sur l'utilisation des masques, sur les protocoles de désinfection des transports publics, sur le contrôle aussi et sanction de l'utilisation des masques. Donc, les mairies, ces niveaux de cantons, ont un rôle majeur pour la gestion de la crise en Équateur. Et ça, c'est une façon de donner plus de pouvoir à ces niveaux qui sont plus proches au local. Mais aussi, ça veut dire que dans l'Équateur, il y a 221 façons de gérer cette crise. Donc, il y a aussi une dispersion des efforts et une dispersion aussi de la gestion de la crise. Il faut dire aussi que les mairies, que ce niveau de canton, auparavant, ils n'ont pas été liés à la gestion de la santé. Donc, ils ont d'autres compétences, mais les compétences de la santé ont été toujours liées au niveau du gouvernement central. Donc, ce niveau, ils n'avaient pas l'expérience pour gérer les thématiques liées avec la santé. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on peut comprendre, pas justifier, mais comprendre que quelques maires, ils ont essayé d'utiliser, par exemple, quelques substances qui ne sont pas liées depuis les discours scientifiques pour donner une réponse à la COVID, comme par exemple l'utilisation de dioxyde de chlore, comme par exemple l'utilisation de l'ivermectine. Et il y a quelques maires qui ont encouragé la population d'utilisation de ces substances pour traiter la COVID. Donc, il y a eu une dispersion et il n'y a pas eu un cadre réglementaire qui peut guider la gestion de la santé. Une chose aussi très intéressante de la gestion de la crise, c'est l'utilisation du feu. On fait référence au feu de trafic, donc l'utilisation de couleurs pour montrer le niveau de restriction de l'utilisation de l'espace public surtout. Donc, il y a la couleur rouge, il y a la couleur jaune, il y a la couleur verte, selon la situation de chaque canton. Donc, on peut voir dans ces cartes la situation actuelle en ce moment, mais on peut voir aussi comment ils ont changé. Et on peut voir que d'abord, tous les cantons ont été dans la couleur rouge, mais après, ils ont diminué. Ce qui a augmenté beaucoup, ce sont les cantons qui sont dans la couleur jaune. Et les cantons qui sont dans la couleur verte sont très pauvres, même aujourd'hui. Mais bon, ça montre aussi qu'il y a une gestion territoriale très différente. Ça dépend des COE et à niveau cantonal. C'est dans ce niveau que est prise la décision. Et ça va montrer aussi que les effets de cette gestion de la crise vont avoir aussi des impacts au niveau du nombre de malades et aussi dans le nombre de morts, que c'est ce qu'on va voir. Même, je voudrais aussi souligner que ces niveaux ont été face à cette difficulté. Donc, il y a eu aussi des interventions d'autres organisations, des ONG, par exemple, ou de la coopération internationale, pour aider à montrer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la gestion territoriale pour faire la gestion de la crise, la gestion de la santé. Donc, par exemple, pour montrer quelques exemples, c'est un travail qui a été fait par l'Association des professionnels de gestion de risque, par la coopération internationale à travers la GIZAM, de la coopération de l'Allemagne,
Et aussi, et un autre document qui aide à montrer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la gestion territoriale. Mais ça montre donc cette nécessité des outils des municipalités parce que, comme je disais tout à l'heure, la gestion de la santé n'est pas en compétence de ce niveau. Donc, tout ça, ça va s'exprimer donc, dans les bilans de la pandémie. Mais il faut dire que les données pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en Équateur, ça manque ce type de données. Donc, on va essayer de montrer que c'était vraiment très difficile de faire un suivi de la pandémie. Donc, j'ai montré avant qu'il y a eu deux niveaux institutionnels qui ont entré en charge de la crise. Il y a eu le ministère de la Santé et il y a aussi le Service national de gestion de la crise lié au COE. Et donc, aussi, dans le rapport institutionnel, il y a deux façons d'exprimer, mais ce n'est pas seulement une façon de montrer, mais aussi, par exemple, des données différentes. Donc, ça, c'est à gauche du diaporama. Vous pouvez voir les documents des services nationaux de gestion de risque et, au droit, les documents des ministères de la Santé publique. Et les données ne sont pas forcément les mêmes. Donc, la population a été ça a été très difficile pour la population savoir quelles sont les vraies données, comment est-ce que les gens doivent faire face à ces difficultés. Donc, c'est lié aussi à que dans l'État, il y a eu différentes façons, manières de présenter cette information. Et aussi, si je vais me détailler un petit peu plus les documents qui est à gauche des services nationaux de gestion de risque, parce que ça, c'est le plus important, le plus diffusé parmi les médias. Mais on peut voir que ce document a changé, et par exemple, les indicateurs qu'ils ont utilisés. Donc, à mesure que la pandémie avançait, ils ont changé des indicateurs, ce qui a été très compliqué pour comprendre pour la population. Et aussi, si on voit le cas qui est très intéressant pour essayer de comprendre la gestion territoriale de la crise, on peut voir que, par exemple, les catégories qui sont utilisées ne sont pas les mêmes dans les différentes rapports qui sont multitemporels, donc ça ne permet pas de faire une comparaison multitemporelle. On peut voir aussi qu'ils n'ont pas utilisé, par exemple, des questions de sémiologie graphique parce qu'ils montrent des données totales et avec des cartes complètes, donc ça n'aide pas à faire une bonne lecture de ce type de cartes. En prenant en compte ça, il faut utiliser des sources complémentaires. Par exemple, il y a cette source complémentaire qui est le système de suivi de ECMO 911, qui est l'institution qui est en charge, par exemple, des caméras de vidéosurveillance. Donc, ils sont aussi en charge des appels téléphoniques quand il y a une urgence. Donc, ils ont mis toute cette information dans des bases de données qui permettent de savoir comment ça change, par exemple, les appels quand il y a un malade dans la maison de quelqu'un. Donc, on peut savoir où est la maison, on peut savoir comment ça change à un niveau multitemporel, mais ce sont des données qui sont seulement liées à ces appels. Donc, ce n'est pas forcément que tous les gens vont appeler. Donc, ça aide à montrer ces dynamiques, même si c'est très difficile d'avoir une vision intégrale de toute la problématique. Et d'autres informations qui aident comme source complémentaire, c'est les registres civils. Donc, dans ces cas, on a les chiffres sur la quantité de morts. Et c'est un indicateur qui est très important parce que on va voir que le nombre de malades, ce n'est pas forcément le meilleur indicateur pour suivre la crise, pour suivre la dynamique des coronavirus en Équateur, mais plutôt on peut utiliser la dynamique des nombres de morts. Donc, avec toute cette information, je vais essayer de montrer ce qui s'est passé en Équateur. Et bon, ça, c'est la courbe qu'on utilise toujours pour montrer comment change la dynamique. Et on peut voir que cette courbe, dans le cas équatorien, ne laisse de croître. Mais on peut voir aussi qu'il y a cette rupture qu'on ne peut pas comprendre.
ne sont pas liées, ces ruptures ne sont pas liées à la dynamique de la maladie. Et donc, par exemple, d'un jour à l'autre, ils sont, dans ce cas, on a duplié le nombre de cas. Ou par exemple, ici, dans septembre, on a diminué le nombre de cas, ce qui est impossible dans ce type de cours. Donc, ça montre qu'il y a eu aussi des changements de méthodologie. Et par exemple, ici, on a dit qu'on ne va pas utiliser tous les tests, mais plutôt seulement les tests PCR pour donner les chiffres de nombre de malades. Et dans ce cas, quand on a augmenté beaucoup, c'est très lié aussi à la dynamique des tests, parce qu'il y a eu beaucoup de tests qui n'ont pas eu de réponses rapides. Donc, à un moment donné, ils ont essayé de donner toutes ces réponses. Mais donc, ça montre aussi que c'était une gestion très difficile parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans un hôpital, ils ont été en test, mais ils n'ont pas reçu la réponse. Donc, ça n'a pas aidé aussi pour savoir qu'est-ce que les gens doivent faire. Même, ça aide à montrer un peu ces dynamiques de coronavirus en Équateur. Mais il faut dire aussi que l'Équateur a eu très peu de tests. Donc, ici, pour comparer un peu la situation de divers pays, par exemple, la France, le nombre de tests que la France a fait par 1000 personnes. Après, on peut voir la situation de Chili, la Colombie, le Pérou et l'Équateur qui est très, comme je disais, il a fait très, très peu de tests pour savoir quelle est la quantité de gens qui a été malade. Donc, quelques chercheurs ont dit que cette courbe, plus que montrer la dynamique de la maladie, il montre plutôt la quantité de tests qu'on a fait. Parce que quand on a fait plus de tests, on a vu qu'il y a plus de malades, mais quand on a fait moins de tests, on a vu qu'il y a moins de malades. Donc, c'est aussi un peu l'usage politique de cette mesure. Il faut utiliser d'autres données, comme je disais. Et ici, je montre un peu la surmortalité. Donc, par rapport aux morts de la période 2015-2019, comment ça s'est passé dans divers pays aussi. Je vais montrer surtout le cas de l'Équateur, qu'on peut voir qu'en avril, il y a eu un taux de surmortalité très, très élevé. On peut voir aussi le cas de la France en bleu, le cas de la Colombie en orange, le cas de Chili en jaune, un peu pour comparer cette situation et on peut voir vraiment comment que ça s'est passé en Équateur. Même si on voit depuis un point de vue territorial, on va voir que ça ne se passe pas dans toutes les provinces, dans tous les territoires comme ça. Et donc, ça se montre dans ces graphiques. Donc, on peut voir que le cas de Guayas, la province de Guayas, où il est Guayaquil, et dans le cas de la province de Santa Elena, ce sont les cas où on a vu que dans une courte période de temps, il y a eu beaucoup de mortalité, donc de surmortalité. Donc, dans les autres provinces, cette dynamique a changé. Je ne sais pas qui a été mieux contrôlé, mais il faut dire que le cas de Guayas-Santa Elena a été le cas le plus grave de l'Équateur. Donc, on peut voir cette dynamique au niveau des différents territoires. Et je voudrais aussi dire, par exemple, que cette graphique vient de cet auteur, Andrés Lovalino, parce que c'est important de dire que toutes ces données qu'on avait vues ont été présentées à partir de ces documents, mais l'État, le gouvernement, il n'a pas donné accès aux bases de données aux chercheurs. Donc, il y a eu de diverses initiatives de gens qui ils ont créé ces bases de données à partir des chiffres qu'on a pu voir dans ces documents. Mais justement, ça va me permettre de parler donc des initiatives de l'usage des données pour gérer la pandémie. Donc, il y a eu de diverses initiatives, non? Fernando, pardon. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends, Fernando. Oui. Deux minutes, c'est possible.
OK, donc je vais avancer plus vite. Bon, dans ces initiatives, il faut dire donc qu'elles sont très liées à la diversité des territoires. Comme je disais tout à l'heure, les COE au niveau des cantons, des maires, ils ont eu un rôle central pour gérer la crise. Donc, chaque canton a proposé de diverses initiatives. Non? Par exemple, je montre ici le cas de Rebamba, le cas de Pichincha, que c'est en Provence, le cas de Manta, le cas de Porto Viejo, et dans la moitié, j'ai mis le cas de l'Équateur. Mais il faut voir, par exemple, que des initiatives locales ont arrivé à donner plus de données pour suivre la pandémie que les cas nationaux, par exemple. Je vais avancer un petit peu. D'autres initiatives, par exemple, une initiative qui me semble très intéressante, c'est par exemple l'application d'un modèle CIRT susceptible d'infecter, récupérer, qui a été fait par de divers chercheurs, Aurélien Aguirre Armas, lié à l'Université de Cuenca. Donc, ça a aidé à avoir des modèles d'anticipation pour gérer la crise. Il y a d'autres initiatives qui me semblent intéressantes, par exemple cette initiative du Collège d'ingénieurs et géographes de Pichincha. Ils ont demandé à la population de faire des reports sur les agglomérations, c'est-à-dire la concentration de la population, aussi sur la perception de biosécurité des quartiers, des endroits, des lieux qu'ils ont visités. Donc ça, c'était intéressant parce que ça permettait, à partir d'exprimer toute cette information dans ces cartes, que la population peut dire. Donc, il y a d'autres gens qui ont dit que dans cet endroit n'est pas sûr au niveau de biosécurité. Donc, je vais essayer d'aller dans autre endroit, par exemple. Et ça permet donc de savoir ce niveau de biosécurité au niveau des endroits comme supermarché, comme marché, comme divers lieux. Et autre initiative qui me semble intéressante, par exemple, c'est lié à l'Association géographique de l'Équateur. Donc, ils ont essayé de chercher quels sont les sentiments de la population au niveau de l'usage de l'espace public. Donc, ils ont demandé des prises en photo et cette photo a été téléchargée dans un système et ensuite de demander aux populations quels sont les sentiments liés à ces photos. Après, on a utilisé un système d'intelligence artificielle pour identifier quels sont les éléments dans ces photos. Et après, on a lié cette caractéristique de cet endroit avec les sentiments que les gens, que la population a dit. Donc, ça permet, par exemple, de voir que les espaces ouverts sont plus liés à un sentiment d'espérance et, par exemple, que les espaces fermés sont plus liés à un sentiment de préoccupation, par exemple. Donc, ça, c'était intéressant. Et aussi, par exemple, une autre expérience, c'est de la gestion de la COVID dans le peuple indigène. Donc, il y a diverses nationalités indigènes au Équateur. Beaucoup de ces nationalités sont dans la partie de l'Amazonie de l'Équateur. Donc, ils ont essayé aussi de gérer de l'information. Et ils ont montré ce type de cartes. Aussi, ils ont créé ce type de documents qui sont aussi dans des langues de peuples indigènes et que ça aide donc à donner une réponse d'un autre niveau de gestion. Donc, ce n'est pas lié à la réponse de l'État, mais plutôt à une gestion de ces communautés. Et bon, pour finir, je voudrais souligner aussi qu'il y a eu de diverses initiatives pour la construction des politiques publiques, par exemple, depuis l'IAN, l'Institut des hautes études nationaux, on a créé de divers documents qui ne sont pas des documents d'articles scientifiques, mais plutôt des idées qui aident à montrer qu'est-ce qu'on peut faire depuis l'approche des politiques publiques pour faire une gestion de la crise. Et bon, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Je vous remercie de votre attention. J'ai passé très vite quelques éléments, mais bon, je pense qu'on peut parler un peu sur la discussion sur ça aussi. Merci. Fernando, merci beaucoup. C'était super intéressant. Désolé d'avoir dû te mettre un petit peu la pression sur la fin pour accélérer ton propos. Comme tu le dis, de toute façon, vraisemblablement, on pourra revenir sur certains éléments sur lesquels tu es passé rapidement dans le cadre de la discussion. Nous pouvons prendre très vite quelques questions de compréhension directe sur la présentation. Si quelqu'un a des questions ou une question à poser, c'est le moment.
Et si ce n'est pas le cas, moi, je vais en poser deux très vite. Fernando, sur une de tes toutes premières diapositives, tu montres le système de surveillance, me semble-t-il, et tu montrais un onglet spécifique sur les maladies respiratoires, sauf erreur. C'est le cas. J'ai néanmoins vu sur ta présentation à un moment donné le terme brotes, qu'on peut traduire par flambée épidémique, et je me demandais ce qui se cachait derrière cet onglet. Et j'en profite aussi pour te poser deux questions très rapides en plus. Tu cites en préambule de très nombreuses maladies qui font l'objet d'une surveillance en Équateur. Ce sont pour la plupart des maladies, sauf erreur, à transmission vectorielle. Je me demandais si l'Équateur a déjà été touché par des épidémies d'envergure importante de maladies respiratoires. Et enfin, une dernière petite question. Tu as bien démontré la ventilation de la mortalité dans les provinces. Je me demandais comment était ventilée la mortalité dans les classes d'âge. Voilà. OK. Bon, merci. Bon, oui, comme je disais, il y a un système de surveillance qui est lié à tous ces aléas épidémiologiques. Donc, dans l'histoire de l'Équateur, il y a eu des brotes, c'était, comment c'était les mots de... Flambée épidémique, non? Voilà, de flambée épidémiologique. Donc, ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a eu un système déjà de surveillance, mais comme je montrais, donc, ce système n'était pas effectif pour faire le suivi de coronavirus parce qu'il y a un changement d'échelle des nombres de cas et donc aussi on a essayé d'utiliser le même système qui était déjà construit en 2012 sans changer. Donc c'est ça qui n'a pas marché, mais c'est intéressant de montrer aussi qu'il y a eu déjà un système de surveillance. Ces systèmes de surveillance aussi, ils ont changé dans la mesure qu'il y a eu moins des épidémiologistes, donc moins des spécialistes qui sont en train de suivre la pandémie. Donc ça, c'est lié aussi au niveau des rôles de l'État. Et dans ces dernières années, il y a eu un changement politique qui a diminué les rôles de l'État. Donc ça montre aussi ce type de politique. Non? La deuxième question, c'était lié plutôt à tu peux me répéter, Benjamin, s'il te plaît? Non, les épidémies de maladies respiratoires d'envergure, il y en a eu en Équateur Pas respiratoires, mais plutôt d'autres maladies, comme par exemple les malarias, qui bon, c'est pas respiratoire, comme les chagas, ils ont eu beaucoup d'importance dans la construction de l'État, dans la construction des territoires, parce qu'il y a quelques endroits, par exemple, dans la côte nord, où il y a beaucoup de forêts, dans l'Amazonie aussi, donc où il y a ce problème. Donc, ce n'est pas des maladies qui sont distribuées par tout l'Équateur, mais aussi il y a une diversification au niveau territorial. OK. La dernière. Ah, je crois qu'on a une question où Marc Souris souhaite poser. Oui, je voulais juste demander à Fernando s'il y a quand même de la surveillance de la grippe. Parce qu'il y a une surveillance mondiale pour la grippe. Donc, est-ce qu'elle est active en Équateur? Oui, il y a une surveillance sur la grippe. Et surtout, il faut dire aussi que ce système a été très lié à la surveillance de la grippe de la H1N1. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de dire en français. Mais donc, ce système de surveillance a été très lié aussi à la suivi de ces grippes, non? Et il faut dire aussi que dans ces moments, quand il y a eu cette grippe, on a eu d'autres niveaux de gouvernance au niveau de la région. Donc, il y a eu les UNASUR, donc au niveau de divers pays de l'Amérique du Sud, qu'ils ont eu des politiques intégrées qui ont aidé à faire une gestion de la grippe. Mais donc, à ce moment, chaque pays aussi si on parle au niveau de géopolitique, chaque pays a donné ses propres réponses, donc ça change aussi les niveaux de réponses qu'on a eu. Et aussi, je sais que ce système de surveillance a été très lié à la coopération avec l'Organisation mondiale de la santé.
Mais ces nouveaux systèmes qu'on a créés, qu'on a mis en place depuis octobre de 2020, a été un système construit au niveau national. Donc, ça, c'est important. On part de dire que c'est en construction au niveau des techniciens nationaux, mais il faut dire aussi que il me semble que dans d'autres pays, peut-être qu'il y a aussi d'autres systèmes qui ont des réponses à ces dynamiques. Donc, je pense que ces niveaux internationaux, par exemple, ces niveaux géopolitiques de UNASUR pourraient être intéressants pour répondre à ce type de crise. Merci beaucoup, Fernando. Concernant les autres questions, bah, écoute, on en discutera dans la phase de synthèse, si tu en es d'accord, hein, une nouvelle fois. Merci beaucoup pour ta présentation, vraiment très intéressante. La seconde présentation sera donc celle d'Emmanuel Bonnet. Hein. Emmanuel est géographe de la santé, directeur de recherche à l'IRD et membre de PRODIG. Emmanuel est titulaire d'une thèse de doctorat hein, soutenue en 2002 à l'Université du Havre qui portait sur les risques industriels dans l'estuaire de la Seine. Il a obtenu par la suite un poste de maître de conf dès 2003 à Lille 1 avant d'exercer entre 2008 et 2016 à l'Université de Caen, Basse-Normandie, puis au sein de l'IRD. Le projet de recherche qu'il porte vise à évaluer et à mieux comprendre les effets des interventions et des politiques publiques en santé sur les populations en Afrique à l'aide de données originales et d'analyses spatiales basé sur des systèmes de surveillance innovants. Ce projet s'appuie sur une longue expérience d'Emmanuel dans les champs de la géographie des risques et de la santé, matérialisé par le pilotage actuel de trois programmes de recherche. Emmanuel est à l'origine d'une abondante production scientifique et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, est co-responsable avec Valérie Reed du site COVID-19 Afrique. Le titre de sa présentation est le suivant, la pandémie COVID-19 en Afrique de l'Ouest francophone, cas, réponse et adaptation des pays. Manu, nous t'écoutons. Avec le micro ouvert. Voilà, là c'est mieux comme ça. Et vous voyez ma présentation ? Super. Okay, très bien. Merci Benjamin, bonjour à tous. Donc oui, je vais vous présenter une manière d'analyser les données particulières en Afrique parce qu'évidemment, on a beaucoup moins de données sur le continent et encore moins dans la région dont je vais vous parler. Donc c'est moi qui présente, mais je suis le porte-parole de plein de personnes qui participent à deux projets principaux, le projet COVID-19 Afrique que je vais vous présenter tout de suite et un autre, Ariakov, dont je parlerai à la fin. C'est grâce à toutes ces personnes qu'on peut faire cette présentation aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous présenter, c'est la création de ce site qui est à la base de la réflexion et des différentes choses dont on va parler aujourd'hui. En fait, au tout début de la pandémie, on s'est rendu compte que sur le continent et dans la région où on était, donc moi je suis affecté au Burkina, les données étaient assez peu présentes. On se doutait bien qu'il allait y avoir un grand problème sur la manière de récapituler ces données, notamment au niveau des grands observatoires internationaux comme celui de Johns Hopkins University. On observait beaucoup de décalages dans les données, donc on s'est préoccupé de ça. Et comme on avait plusieurs collègues dans différents pays de la sous-région, on a monté cette initiative avec des bouts de ficelle au départ, en tout cas pour essayer de rassembler les données au sein d'un site qu'on a appelé covid19afrique.com pour essayer de faire le tri finalement dans tout ce qui était disponible et toutes les données qu'on pouvait récupérer. Alors, on a évidemment ciblé les données sur le nombre de cas, mais on va en parler abondamment dans la suite de ma présentation, mais aussi sur les tests. Mais on n'a pas voulu s'arrêter que sur les données purement quantitatives. On a voulu aussi aller recenser toutes les mesures gouvernementales qui étaient réalisées par les gouvernements pour justement mieux interpréter ces données et puis essayer d'avoir une autre lecture également de cette pandémie. On a prolongé tout ça aussi en allant chercher des textes, des compositions sur les différents comités pour essayer de bien comprendre comment les pays allaient riposter face à ça. Et puis, on a ajouté quelques notes de blog dont certains collègues de Prodig ont fait de petits billets très remarqués, je pense à Marie et Morel en particulier. Bref, tout ça pour essayer d'analyser, de croiser les approches à partir des expériences de terrain et surtout des données validées par le terrain. Je ne dis pas que les données de Johns Hopkins sont fausses, mais
elles sont généralement récapitulées à la même date et on a des retards sur les données et parfois des interprétations, des validations de données par John Hopkins qui ne sont pas, validées dans les pays eux-mêmes. Alors, le site, vous avez l'adresse sur le site, sur la présentation qui est ici. On en a fait aussi un article qui est pour l'instant un préprint, mais qui est validé dans BMC Public Health, là, qui reprend en fait toute l'analyse de la première vague avec les 7 pays avec lesquels on a vraiment particulièrement approfondi la question et qui reprend en partie ce que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pourquoi ça ne passe pas ? Alors voilà, c'est une diapo rapide pour montrer que on ne s'est pas fait que plaisir en faisant ce site-là. Ça a suscité un grand attrait de pas mal de personnes. On compte aujourd'hui plus de 15 000 connexions au site depuis le 1er avril, puisque le site a vraiment été lancé le 1er avril. Et puis la carte que vous voyez ici, c'est toutes les personnes qui s'y sont connectées. On voit que ça intéresse le continent africain, mais pas seulement. Et donc, on est assez content de cette aura pour suivre la pandémie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a évidemment des données relatives au nombre de cas par pays, mais mon propos va d'abord commencer sur l'échelle continentale, et puis au fur et à mesure, on va descendre sur la zone qui nous intéresse. Et puis évidemment, j'ai plus d'anecdotes et de précisions sur des pays comme le Burkina ou le Sénégal, où je prendrai un certain nombre d'exemples. Alors, la première des choses, et la première des cartes, c'est celle de gauche, c'est celle qui montre justement toute cette hétérogénéité sur le continent, avec de nombreux cas en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, avec des taux de létalité eux aussi importants. Et puis dans l'Afrique subsaharienne, et en particulier au Sahel, on observe des quantités beaucoup plus faibles, avec des choses très, très surprenantes qu'on a du mal à comprendre, avec un faible nombre de cas pour certains pays, mais des taux de létalité très élevés. Et puis lorsqu'on regarde ces pays et un autre indicateur dont Benjamin parlait en introduction, comme le taux d'attaque, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des choses très, très différentes, notamment entre le Burkina et le Mali, qui pourtant ont des profils qui sont à peu près similaires, où on a des taux d'attaque très faibles pour le Burkina et un peu plus élevés au Mali. Et on a vraiment du mal à comprendre ce qui s'y passe, du moins si on ne creuse pas la question. Et je vais essayer de vous présenter une des analyses de ces différences. Alors, en termes de nombre de cas, on a des différences dans les pays. On a parfois une vague, parfois deux vagues. On pourrait même parler de peut-être un début de troisième vague dans certains pays, que vous le verrez dans la prochaine diapo, avec des intensités extrêmement différentes en fonction de ces pays. On a le pays le plus touché de la région ouest africaine au sens très large du terme, c'est le Nigeria, avec vraiment des données incomparables avec le reste des pays, et puis également le Ghana qui observe des cas très importants. Et puis ensuite, ces courbes toutes mélangées, qu'on voit très mal, mais c'était volontaire ici, eh bien, ce sont ces autres pays d'Afrique de l'Ouest, les pays sahéliens, où on observe un certain nombre de fluctuations et une première vague qui était assez peu intense comparée à d'autres pays, et surtout comparée à la dernière vague qu'on a connue, notamment en fin d'année 2020. Alors, lire le nombre de cas, c'est pas forcément la bonne manière de le faire, ou du moins il faut le regarder avec une autre information, c'est de le lire avec le nombre de tests qui sont réalisés dans ces pays, parce que on observe des différences qui sont extrêmement importantes, comme vous pouvez le constater sur cette diapo. Alors, tous les pays ne fournissent pas les données des tests, mais comme on a nos représentants dans 7 pays que vous voyez ici, hein, c'est là-dessus qu'on a vraiment voulu approfondir le sujet. On arrive à obtenir ces données, tant bien que mal, avec des périodes de coupure, comme vous pouvez le voir sur certaines courbes, et notamment au Niger. Mais on observe bien que le nombre de cas le nombre de tests est très, très différent en fonction des pays dans lesquels on se trouve. On voit par exemple que le Burkina est parti de très, très bas, voire de plus que bas, puisque au tout début de la pandémie, on avait vraiment énormément de mal à réaliser des tests, y compris lorsqu'on voulait nous-mêmes se faire tester. Et puis, ils sont progressivement montés en puissance, mais pour dépasser à peine 1000 à 1500 tests par jour. Donc, évidemment, vous comprenez bien que le nombre de cas que l'on trouve par rapport au nombre de tests qu'on réalise est évidemment proportionné. Et donc, c'est à prendre en compte dans l'analyse du nombre de cas de ces pays.
Alors, sur ce testing, justement, quelques exemples pour expliquer comment ça se passe. Et je vais prendre deux exemples, celui du Burkina et celui du Bénin. Alors, au Burkina, au tout début, on pouvait simplement se faire tester que dans un ou deux hôpitaux. Et puis, dans les capitales de district, j'y reviendrai tout à l'heure, qui correspondent aux 70 découpages sanitaires du pays. Et sur Ouagadougou, en particulier, il y avait en gros 5 à 6 lieux où on pouvait se tester. Et ces tests, lorsqu'il y avait des grandes phases de demande, je pense notamment en fin d'année, qui correspondaient à la fois une forte demande de mobilité, où les gens voulaient prendre l'avion pour rentrer en Europe ou aller dans d'autres pays de la sous-région, cumulé à un début de seconde vague au mois de décembre, on est arrivé à une situation où, en fait, lorsque vous alliez dans les zones de test, il fallait arriver à 4 ou 5 heures du matin pour obtenir un ticket, et ce ticket était l'un des 50 tests possibles par centre. On avait 50 tests sur certains centres, 200 dans d'autres, mais pas plus de 1000 dans la capitale. Et si vous ne pouviez pas faire ce test, eh bien vous étiez bloqué. Il fallait retourner le lendemain chercher ce fameux ticket pour espérer être testé. Donc, vous voyez bien qu'il y avait une énorme demande de population qui voulait se faire tester pour différentes raisons, à la fois pour des raisons symptomatiques, mais aussi pour des raisons de mobilité. Et on n'arrivait pas à faire face dans le pays pour répondre à cette demande. Et puis de l'autre côté, on a d'autres pays très organisés, comme le Bénin, et c'est les photos que vous voyez ici. Là, le Bénin, lui, s'organise autrement, c'est-à-dire que lorsque vous quittez, par exemple, le Burkina pour aller au Bénin, il vous faut un test PCR négatif pour quitter le Burkina, mais les Béninois considèrent que c'est eux qui doivent faire le test. Donc, dès que vous arrivez, vous allez parcourir les trois premières photos que vous voyez sur ma présentation, qui se trouve à l'aéroport pour faire un test réalisé par les Béninois qui est payant, autour de 75 euros, et vous le réalisez directement à l'aéroport. Alors, il se compose en deux choses différentes. Vous avez des tas de salles d'attente, c'est très très bien organisé. La première salle d'attente pour vous donner un ticket, un ordre de passage. Un deuxième, la photo que vous voyez au milieu, où on a différents box là, qui sont des box de testing qui sont positionné de deux côtés de la salle, où on vous fait deux tests, un test rapide que vous voyez ici, donc qui est plutôt un test qu'on ne comprend pas très bien, puisque c'est un test qui permet qui n'est pas sérologique, mais qui permet de mesurer si vous avez déjà été atteint par la COVID-19. Donc on ne comprend pas très bien à quoi ça sert, puisque c'est ce test-là qui vous permet de sortir ou de ne pas sortir de la zone de l'aéroport. Bref, je pense qu'on en reparlera, mais on ne comprend pas très bien ce qui se passe avec ce test-là. Et puis, un deuxième test nasopharyngé tel qu'on le connaît tous en Europe et dans le monde en ce moment. Ensuite, vous devez observer 48 heures d'auto-confinement, plus ou moins, et puis vous revenez chercher votre test PCR. Je précise qu'on vous prend votre passeport à ce moment-là. Et puis, vous venez rechercher votre test PCR. S'il est négatif, vous repartez avec votre passeport. S'il est positif, eh bien, la galère commence. Et je l'ai vécu moi-même il y a un petit mois, puisque j'ai été positif. Et à partir de là, on vous demande d'observer le traitement dit Raoult, hein, puisqu'ils disent qu'ils sont les enfants du professeur Raoult. Et vous devez vous traiter à l'hydroxychloroquine. Alors, je vous rassure, ce n'est pas complètement obligatoire. Et en tout cas, vous devez suivre la durée de ce traitement et vous êtes bloqué pendant 10 jours en autoconfinement pour guérir, tout simplement, et réeffectuer un second test qui doit être négatif avant de sortir. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais il s'avère que dans mon cas, il s'agit probablement d'une contamination du laboratoire, puisqu'il y a eu un pic extraordinaire ce week-end-là. Et moi, 5 jours après, j'ai quand même réussi à faire un test de contrôle et j'étais négatif. Donc, passer de positif à négatif en 5 jours, à mon sens, je serais une exception. Donc, a priori, il y a aussi des petits problèmes dans les laboratoires. Mais ce n'est pas l'objet de ma présentation. Ce qui est intéressant également, et pour montrer le niveau de performance du Bénin, notamment, mis à part ces contaminations qui peuvent arriver partout, c'est que vous recevez par SMS votre test PCR avec un code barre qui, lui, est lisible dans tous les pays de la sous-région et qui permet de passer les différents tests à aéroport. Alors, c'est valable et ça existe dans plein de pays du monde, mais dans la zone ouest africaine, c'est beaucoup plus récent, hein, ces histoires de code barre, c'est de l'ordre depuis le début de l'année, fin de l'année 2020,
Et au Bénin, c'est présent depuis plus longtemps. Donc voilà, vous comprenez que la manière de tester est très différente et forcément, cette manière de tester, cette fiabilité dans les tests va avoir des conséquences sur le dénombrement du nombre de cas dans les pays. Alors, l'épidémie en Afrique de l'Ouest aussi, c'est des très grandes différences, je l'ai dit tout à l'heure, en fréquence ici cumulée, où on a un nombre de cas qui permet de distinguer deux autres pays que sont le Sénégal et la Côte d'Ivoire par rapport au Burkina et au Mali et aux autres pays plus sahéliens. La mortalité est elle aussi différente et on ne retrouve pas forcément le même classement, puisque vous voyez que bon, si le Sénégal arrive en tête, qu'il est aujourd'hui autour de... On atteint pratiquement les 1000 décès au Sénégal. On a ensuite en deuxième position le Mali, qui est à 366 décès depuis le début de la pandémie. Donc vous voyez bien qu'on ne parle pas du tout des mêmes dimensions de quantité de cas et de décès par rapport aux autres continents dont on a parlé jusqu'ici. Alors, il y a aussi, par rapport à cette faiblesse et cette faible qualité des données, des tas de choses qui nous rendent la compréhension des situations très, très difficiles. C'est, si on compare dans ces différents pays les taux d'attaque et les taux de létalité, vous voyez qu'on arrive à des situations qui sont assez difficiles à comprendre. Quand vous voyez le Mali qui a un taux d'attaque extrêmement faible et un taux de létalité qui est le plus important, on a évidemment du mal à comprendre cette relation, et a priori, enfin du moins c'est mon interprétation, c'est probablement parce qu'on dénombre très mal le nombre de cas positifs à la Covid, comme on doit aussi dans certains autres pays mal compter le nombre de décès. Alors ici je me suis amusé à vous présenter les différentes courbes épidémiques qui sont à la même échelle, de façon à pouvoir les comparer, et ça me permet notamment d'illustrer que cette grande différence au niveau des quantités, mais aussi des vagues que l'on peut observer sur cette sous-région du continent africain. Alors, l'exemple du Bénin est assez intéressant aussi. Donc, vous voyez que là, il y a très peu de cas et probablement qu'un des pics est ici et celui du la fameuse contamination dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi des cas inverses, hein, avec le Bénin qui a des cas négatifs, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont retiré de leur statistique nationale plus de 250 cas, considérant que les TDR qui venaient d'être faits n'étaient pas, enfin les tests rapides n'étaient pas valables, et donc il fallait corriger le tir sur le nombre de cas dans le nombre de cas positifs. Et donc, ils saisissent directement dans leur plateforme de données une modification qui crée ce genre de courbe assez étonnante. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au Bénin, il y a un fort contrôle de la donnée d'une manière générale et en particulier de cette donnée sur la Covid. Et puis ensuite, évidemment, vous voyez la Côte d'Ivoire, et c'est la question que l'hypothèse que j'avais tout à l'heure, on observe ici bien les deux vagues, comme on peut les observer ailleurs, comme au Sénégal d'ailleurs ici. Mais ce qu'on observe également en Côte d'Ivoire, c'est possiblement une troisième vague. Alors, il faut faire toujours attention en Afrique avec ces grands pics d'un coup, là. Ça peut être soit un variant comme on peut voir les courbes actuelles en Europe, mais ça peut aussi être des problèmes de dénombrement. Mais en tout cas, on observe en Côte d'Ivoire effectivement un début de troisième vague, comme on peut aussi voir l'amorce d'une troisième vague sur le Mali, même si ces derniers jours, a priori, les nombres de cas sont beaucoup plus faibles. Alors, l'autre élément que je voulais traiter, c'est par rapport à justement ces données, je pense que ça sera un élément de discussion qu'on pourra avoir avec les trois présentations, c'est à quelle échelle sont collectées ces fameuses données. Alors, je vais prendre ici l'exemple du Burkina. Cette carte n'est pas de moi, mais du CORUS, donc qui est le centre des opérations de la réponse aux urgences sanitaires, qui dépend du ministère de la Santé au Burkina Faso. Et là, le Burkina, lui, a fait le choix de recenser toutes les données à la capitale du district sanitaire. Donc, c'est ce que vous voyez comme découpage sur cette carte. Et pour centraliser l'ensemble des données en région de la COVID-19. Alors, c'est à la fois intéressant parce que c'est un maillage qui représente à peu près autant de populations dans chacun des districts sanitaires. Ce qui se cache derrière ça, c'est que en réalité, dans chacun de ces districts sanitaires, il n'y a qu'un centre où on peut faire des tests PCR. Donc, vous imaginez bien que dans certaines régions, comme par exemple celle du Nord, ici au Burkina, qui sont par ailleurs affectées de tas de problèmes djihadistes en ce moment,
des gens qui habitent à la frontière, extrêmement loin en brousse, ne vont certainement pas se déplacer parce qu'ils n'en auront pas les moyens et n'ont plus l'envie d'aller se faire tester à plus de 50 ou 60 km à Djibo pour avoir un test PCR. Et c'est bien ce genre de données qui pose problème dans un pays comme le Burkina, puisque en fait, vous n'avez que des données qui sont répertoriées par district sanitaire, donc même plus précisément par capitale de district sanitaire, et qui font remonter les données au niveau national. Tout ça pour dire que les données qui sont en région sont généralement des données qui ne représentent que la commune capitale de ce district sanitaire. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la population n'est pas testée et on ne sait pas ce qui s'y passe. Alors justement, on a essayé de faire des analyses pour essayer d'un peu mieux comprendre ça, même si ces données sont très particulières. Et notamment, on a essayé à partir de ces données recensées, non pas au district sanitaire, mais qu'on a calées à l'échelle de la commune centrale du district sanitaire, au Burkina, comme au Sénégal, on a essayé d'appliquer une analyse spatio-temporelle avec les techniques de scan spatial pour essayer de voir si, finalement, il y avait des fluctuations dans le temps et dans l'espace et s'il y avait des clusters qu'on pouvait voir apparaître en regardant d'abord l'incidence de manière très, très, très fine dans les communes pour voir si, justement, les cas de Covid étaient aussi présents dans d'autres parties du pays que la seule capitale qui, elle, concentre la grande quantité des cas. Et on observe justement différentes phases, les fameux cercles que vous voyez ici, c'est détaillé dans l'article dont je vous parlais tout à l'heure, et qui nous montre différentes phases qui sont apparues sur la période de mars-novembre de 2020, où on a justement des communes rurales qui ont eu des taux d'incidence très élevés, et qui nous permettent de lire la pandémie d'une autre manière en considérant que effectivement il y a des cas dans les régions et laisse supposer que beaucoup de populations qui se trouvent dans des communes mais qui n'ont pas la chance d'avoir des zones de testing sont probablement elles aussi touchées par la pandémie. Ce qu'on voit également ici sur cette, là où je déplace ma souris, sur la partie sud-ouest du pays, on voit des taux d'incidence très élevés qui correspondent à la phase 4, donc à une période qui correspond au mois de septembre et octobre au Burkina. Et en fait, on est capable de l'expliquer, justement, cette diffusion, finalement, et cette explosion d'abord d'incidence dans cette partie du pays. Parce qu'en fait, là où se trouve Massouri, là où vous avez le cas le plus grave, c'est la zone de Banfora. Cette année, c'était la commune dans laquelle on fêtait l'indépendance la fête de l'indépendance du Burkina. Et en fait, ces différentes communes longent la route qui relie Ouagadougou à Banfora et on observe différentes populations qui ont été mobilisées pour construire les routes et les différents événements. À chaque fois qu'il y a ce genre de fête dans les communes, on a de grands travaux qui se réalisent et on va ponctionner de la population partout. Et on a beaucoup de mobilité, ce qui explique cette explosion de l'incidence dans un certain nombre de communes. Je passe sur le Sénégal puisque je suis déjà en retard. Ensuite, l'autre type de données qu'on a essayé de mobiliser pour bien comprendre la pandémie, c'est d'essayer de voir quelles étaient les différentes mesures gouvernementales qu'avaient opéré ces fameux 7 pays. On en a un petit peu plus sur le site, mais c'est sur ces 7-là qu'on a vraiment centré notre analyse, parce que c'est là qu'on avait le plus de données. Et c'est surtout un moyen de voir comment ces États africains ont fait face à la pandémie. Et la première des choses, c'est l'expérience des nombreuses épidémies dont sont victimes ces différents pays. On l'a tout de suite vu dans la réponse des pays, puisque la réponse a été très rapide et très forte dans ces 7 pays. Et comme vous pouvez le voir, la plupart du temps, les premières mesures gouvernementales ont été mises en place avant même que le premier cas soit détecté et révélé dans les pays. Donc typiquement, une vraie réponse rapide qui est tout à l'honneur des pays africains et qui a probablement limité un certain nombre de catastrophes, comme on l'avait annoncé, puisque même si les chiffres sont mauvais, tel que je viens de vous le présenter, force est de constater qu'on n'a pas la catastrophe qui était annoncée, qui est arrivée sur le pays. En revanche, si on regarde la deuxième vague, on s'aperçoit que les mesures sont moins importantes et qu'effectivement, la vague a été plus élevée, mais aussi parce que probablement, on teste un petit peu mieux. Donc, première chose sur ces mesures gouvernementales, une réponse rapide et forte qui est vraiment
à noter. Ensuite, deuxième élément assez intéressant, on s'aperçoit qu'il y a eu une intensification ciblée de certaines mesures. Et notamment, si on prend l'exemple du Mali, dès qu'on a commencé à dire qu'il fallait porter le masque, il y a eu des intensifications là-dessus et on a, enfin, le gouvernement malien a lancé une campagne. Alors, j'ai plus exactement le nom de la campagne en tête, mais c'était un masque pour chaque Malien. Et se sont mis en place des grandes mesures pour vraiment distribuer ces masques pour les populations. Et, il y a eu d'autres exemples, évidemment. Et ensuite, sur troisième élément assez intéressant sur ces mesures gouvernementales, c'est une levée progressive de ces différentes mesures à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre dans les différents pays. Alors, des levées progressives qui ont été à la fois intéressantes et pertinentes. Il y a eu des couacs également, hein, comme au Sénégal, où on a annoncé un jour la réouverture des écoles, puis finalement le lendemain, leur refermeture pour les réouvrir trois semaines plus tard. Mais cette levée, elle n'a pas été… on n'est pas passé du oui au non. On a vraiment levé progressivement, et ce qui est assez intéressant dans ces pays. Ce qu'on a relevé dans ces sept pays qu'on a suivis en particulier, c'est des points communs qui nous semblent intéressants de relever sur les pays. D'abord, les différentes mesures qui ont été prises concernant les lieux de culte, elles ont toutes été prises de la même manière. D'abord fermées, puis réouvertes avec négociation telles que dans tous les pays, à peu près de la même manière, notamment au moment de la période du Ramadan. L'autre élément commun dans ces pays, c'est une centralisation des décisions. C'est-à-dire que tout était décidé depuis la capitale et l'organisation des soins de cette manière-là. Et ça renvoie quelque part à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur cette manière d'analyser et de collecter les données en dehors de la capitale. On peut l'expliquer par cette forme de centralisation. Emmanuel. Ensuite, on a remarqué également que dans tous ces pays, l'acceptabilité sociale des mesures de santé publique, très restrictive, a été à la fois parfois bien accepté et d'autres fois avec beaucoup de manifestations comme on l'a vu en Guinée et au Sénégal où on a eu des casses de centres de santé pour s'opposer à ces mesures qui étaient considérées comme trop restrictives. Et Emmanuel, ensuite, pardon, nous sommes un peu en retard. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Désolé de faire le gendarme. Je vais finir. Et donc, d'autres mesures qui sont assez intéressantes, voilà, que vous verrez ici, que vous pourrez lire ailleurs. Je voulais terminer avec deux autres points. Troisième type de données dont je voulais vous parler, c'était justement, comme on a une faiblesse de ces données au niveau de la collecte, l'autre manière de collecter les données, c'est aussi de faire des enquêtes. Et c'est ce qu'on fait en ce moment au Sénégal, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Ariakov, où on a justement essayé d'aller voir comment ces données sur les mesures gouvernementales, enfin, ces mesures gouvernementales étaient acceptées par les populations. Et donc, on a mis en place un questionnaire par téléphone, je pourrais en parler en détail sur la méthodologie plus tard, pour demander justement comment ces mesures avaient été acceptées. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de mesures restrictives, comme le couvre-feu ou l'interdiction des mobilités entre régions, étaient plutôt bien acceptées chez les populations sénégalaises. Et viennent confirmer l'intérêt de ce type de mesures dans les pays. Je terminerai sur cette dernière enquête de perception qui est aujourd'hui en cours, hein, qui est une autre manière, toujours avec le même système de collecte de données par téléphone, sur la vaccination, qui est à mon avis l'enjeu sur les prochaines phases, et probablement qu'on aura à en discuter dans la phase de discussion, où justement on a mis en place cette enquête pour évaluer l'intention que les Sénégalais avaient de se faire vacciner. Il s'avère qu'un tout petit peu plus de la moitié des Sénégalais nous disent qu'ils accepteront la vaccination et une trentaine de pourcents la refuseront pour les motifs qui sont assez proches de ceux qu'on rencontre en Europe, soit pas la confiance en ce vaccin, soit pas assez de recul sur le vaccin. Voilà, excusez-moi, j'ai dépassé moi aussi, alors que je l'organise, c'est mal. Et voilà, je voulais juste remercier toutes ces personnes qui ont participé à la production de ces données. Merci beaucoup, Emmanuel. Une question ou deux, rapide, de compréhension. Il y a Daouda Cassier qui a posé une question dans le chat, Benjamin. Tout à fait.
À quelle échelle temporelle les données du site COVID-19 Afrique sont-elles mises à jour, Manu, journalières, hebdomadaires? Tous ces pays font-ils des situation reports réguliers? Et pour le cas de Madagascar, où on assiste à une flambée depuis ces derniers jours, l'accès au nombre de cas reste toujours difficile pour le citoyen lambda. Merci, Daouda. Merci, Daouda. Oui, on essaye de collecter les données tous les jours, donc on remplit les tableaux tous les jours. Les courbes épidémiques sont faites chaque semaine et les cartes que j'ai présentées tout à l'heure sur le taux d'attaque et le taux de létalité sont faites à la semaine de manière hebdomadaire. Mais sinon, on collecte les données tous les jours quand les données sont disponibles. Donc, la plupart du temps, les pays qu'on suit ont des sites REP et donc là, on récupère les données des sites REP pour alimenter le site. Évidemment, comme le cas de Madagascar, qu'on suit également, hein, puisqu'on suit également les pays francophones, on a de grosses difficultés à récupérer les données. Mais sur la partie Afrique de l'Ouest, on a rarement de difficultés à récupérer les données. On a juste des décalages. Par exemple, le Burkina a généralement 4 jours de décalage par rapport aux autres. Mais on a des données qui arrivent tous les jours. Evelyne ? Oui, juste une précision. Emmanuel, est-ce que vous avez utilisé, je n'ai peut-être pas été assez attentif, je ne l'ai peut-être pas vu, est-ce que vous avez utilisé aussi les données de surmortalité enregistrées dans les registres civils, comme ça s'est fait dans d'autres pays ? Non, parce qu'on n'y a pas accès. D'accord. Alors, c'est une vraie question, parce que pourquoi on n'y a pas accès ? Probablement parce qu'il existe peut-être une surmortalité plus réelle qu'on ne veut le dire en Afrique. On est sûr qu'on n'aura pas des pics comme l'a présenté mon collègue précédemment. On est certain qu'il n'y a pas une surmortalité excessive en Afrique. Mais toujours est-il que, par exemple, au Burkina et au Mali, on essaye d'accéder aux données via les DHIS2 notamment, et on n'arrive pas à avoir des informations très précises là-dessus. Et on est en train de réfléchir à des manières d'aller trouver des subtilités indirectes pour voir s'il y a une augmentation du nombre de décès, notamment en faisant des enquêtes dans les cimetières ou auprès des lieux de culte notamment. Merci. Merci beaucoup, hein, Emmanuel. Dernière question, me semble-t-il, de Marc. Oui, juste une précision au niveau de la mortalité, c'est donc de la mortalité hospitalière uniquement. A priori, oui. Mais non, a priori, non. Il y a très, très peu de personnes qui sont admises à l'hôpital. C'est une donnée qui remonte via le Corus. Donc, il y a à la fois des gens qui décèdent à l'hôpital, plus d'autres données, mais dont on ne connaît pas l'origine. C'est ça qui est compliqué, en fait. D'accord. Et ce sont bien des chiffres de létalité, hein, pas de mortalité. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Passons à la troisième présentation, si vous voulez bien. La troisième présentation du jour est donc celle d'Olivier Tell. Olivier est également géographe de la santé, chargé de recherche au CNRS et membre de l'UMR Géocité. Il est titulaire d'un doctorat soutenu en 2001 à l'Université de Rouen, portant sur l'émergence de la dengue à Delhi. L'objectif général de ses recherches est de mieux comprendre comment les dynamiques socio-spatiales des villes sont liées à la diffusion des épidémies en Asie, Inde et Laos principalement. En intégrant la mobilité humaine, les disparités socio-économiques, infrastructurelles et de gouvernance, Olivier vise à réduire la diffusion des maladies dans et entre les villes. Il s'intéresse, et je reprends les termes employés dans sa biographie sur le site de son UMR, à reconnecter l'assainissement au sens large avec la santé urbaine. Avant d'être recruté par le CNRS, Olivier a effectué un post-doctorat de 3 ans à l'Institut Pasteur de Paris. Il est co-auteur d'un article Paris dans The Conversation en avril dernier, dans lequel il questionnait la contribution des géographes dans la lutte contre la COVID-19 en cartographiant notamment les effets du confinement en Inde. Le titre de sa présentation est le suivant, COVID-19, surveillance et modèle géo-épidémiologique en Inde, continuité et changement de la gouvernance sanitaire. Olivier, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que vous m'entendez ? C'est toujours le petit cérémonial. Oui ? Très bien. Merci pour votre invitation, hein, vous deux, Benjamin et Emmanuel. Je trouve ça effectivement intéressant de comparer différents pays, de voir peut-être les effets structurels et les causes structurelles de cette épidémie mondiale. Donc, effectivement, je suis spécialiste de l'Inde, si on peut dire. Je travaille depuis 10 ans sur les épidémies de dengue. Donc, vous allez voir, je vais un peu mettre en relation la surveillance du Covid avec ces épidémies de dengue que je connais particulièrement bien, puisqu'effectivement, on va le voir, ça a quand même changé beaucoup de choses, ne serait-ce que d'un point de vue de la surveillance. Et puis, c'est ce que je vais chercher un peu à pointer maintenant. Donc, un contexte sanitaire, l'Inde est toujours affectée par de multiples maladies infectieuses qui circulent sur son territoire
qui affecte différents espaces. Là, c'est un pays, un sous-continent, comme on aime à l'appeler. Donc, effectivement, on a des environnements différenciés. Donc, on a des épidémies de malaria, par exemple, plus à l'est de l'Inde, de dengue au nord, etc. La malaria est effectivement une maladie qui est endémique depuis plusieurs siècles. C'est d'ailleurs été un cas d'étude pour nombre d'épidémiologistes, très tôt Olivier, dans l'histoire des sciences. Excuse-moi, oui. Olivier, je pense que tu as une présentation et on ne la voit pas. Ah, vous ne la voyez pas? Ah, d'accord. Moi, je la voyais. Ah, d'accord, on va pas. C'est juste toi, Manu. Manu, ta présentation était figée sur la fin et là, ta caméra ne semble pas fonctionner. Je crois que tu as un petit souci. Bon, je relance alors. Si, oui, nous, on voit. D'accord. Hein. Enfin, nous, désolé, Manu, je peux t'envoyer le PowerPoint si tu veux. Mais... D'accord. Donc, malaria, comme je disais, maladie plutôt classique en Inde. Et puis, on a plus récemment, depuis deux décennies environ, l'émergence de nouvelles maladies qu'on appelle des maladies infectieuses émergentes. Le chikungunya, le West Nile, etc. Donc, un contexte sanitaire plutôt chargé dans lequel émerge le Covid. Voici, j'ai choisi de prendre en fait des cartes élaborées par les Indiens pour montrer un petit peu la manière dont ils utilisaient ces informations sanitaires. Donc, vous avez à droite, par exemple, le taux, on va dire, on va appeler ça le taux de prévalence de la malaria. Donc, les experts de la cartographie auraient à redire, à mon avis, sur l'utilisation des couleurs. Mais je trouve que voilà, ça montre bien comment ils utilisent traditionnellement ces données. Donc, avec quand même des géographies marquées, hein, comme je le mentionnais en amont, puisque la malaria est extrêmement endémique sur l'est de l'Inde. Et puis, une autre spécificité de la malaria, c'est que c'est effectivement une maladie qui devient de plus en plus urbaine. On pourra en reparler, mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement le propos. En tout cas, pour signifier qu'il y a eu d'énormément d'efforts qui ont été réalisés sur la malaria, pour la détecter et aussi pour agir. Donc, on a une réduction quand même des cas relativement importante ces dernières années. On pourrait prétexter aussi un effet d'équilibre des maladies, c'est-à-dire une diminution du vecteur de la malaria, au profit de la dengue, etc. Donc, un contexte sanitaire chargé dans lequel émerge la dengue. Comme je l'ai dit, c'est vraiment mon point de comparaison. La dengue émerge officiellement en 2006. Ce qui est extrêmement important de noter, c'est que l'enregistrement des cas dans le système de surveillance se fait sur des bases de confirmation sérologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'un individu soit testé sérologiquement pour pouvoir être enregistré comme un cas officiel. Surtout, et encore, il faut qu'il soit enregistré dans les hôpitaux sentinelles. Donc, il y a l'État indien ou les États indiens qui vont définir un certain nombre d'hôpitaux qui vont mesurer ces patients atteints par la dengue. C'est, évidemment, ces deux éléments créer des inégalités territoriales énormes. On a par exemple 38 hôpitaux sentinelles à Delhi et 3 à Mumbai. C'est aussi pour ça qu'on dénombre peut-être 100 fois plus de cas de dengue, vous l'aurez imaginé, à Delhi comparativement à Bombay, parce qu'à Bombay, pendant longtemps, et jusqu'il y a 2 ans, on ne l'enregistrait pas en fait. Donc c'est un système de surveillance inégal entre les villes, mais aussi entre les types d'espaces. Rural, urbain, et c'est précisément lié à la compétence sanitaire, c'est-à-dire qu'en Inde, la santé est une compétence décentralisée, j'entends que ce sont aux États décentralisés de mettre en place ces systèmes de surveillance, mais ces derniers délèguent souvent ces systèmes de surveillance aux municipalités quand elles existent. C'est là un autre biais extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a une définition, il faut que les espaces soient organisés en municipalités pour pouvoir attirer cette compétence municipale, sanitaire. Et c'est évidemment un biais énorme puisqu'on estime que 20% ou 30% de l'urbanisation en Inde est cachée finalement. C'est-à-dire que les espaces ont des caractéristiques urbaines, mais ne sont pas organisés en municipalité. Donc, biais énorme, deux biais effectivement. Donc, la capacité des États à mettre en place ces systèmes de surveillance et puis une dichotomie évidemment classique quand on étudie les phénomènes de santé entre rural et urbain. Voilà par exemple, voici la carte d'incidence des cas de dengue entre 2006 et 2011. C'est suite à un article que j'avais rédigé en 2011. On voit en fait une géographie marquée selon les États, plutôt qui touche plutôt les États de l'Ouest, les États du Nord, Delhi évidemment, qui est un État qui est la capitale de l'Inde, capitale fédérale, et puis d'autres États qu'on note comme étant les plus riches ou les plus avancés d'un point de vue sanitaire. J'avais comparé justement le taux endémique avec un indice statistique que j'avais créé alors en intégrant la couverture sanitaire, le nombre de tests réalisés dans chaque État, deux, trois indicateurs relativement simples à aborder. Vous pourrez trouver plus de détails dans l'article que je mentionne. Effectivement, plus on a un taux endémique important, plus le score est élevé, ou l'inverse en fait. Plus on a un score
c'est-à-dire une capacité sanitaire importante, plus on recense de cas de dengue dans les États. Alors, rien de neuf, mais c'est effectivement, en tant que géographe, on a l'habitude de dire qu'on trouve les cas que si on les cherche, c'est effectivement ça. Donc, voilà, ça, c'est aussi un autre élément important. Donc, on peut effectivement, même à l'échelle municipale, on note des disparités énormes. Donc, ça, ce sont les cas de dengue recensés en 2010 à Delhi. On avait mis en place des campagnes GPS avec la municipalité. C'est l'autre problème aussi, hein. C'est-à-dire que Delhi est constitué en plusieurs municipalités. Le berceau original de Delhi, c'est ce que vous voyez en orange, c'est vraiment la municipalité de Delhi. Et puis, on a une extension de cette ville sur d'autres États, ce que vous voyez à Ghaziabad, par exemple, à l'est, ou à Gurgaon, comme on l'appelle, au sud, qui sont des municipalités nouvellement créées dans les années 90, pleinement intégrées dans le tissu urbain, mais qui ne mettent en place aucun système de surveillance. Donc, vous voyez, par exemple, que les points s'arrêtent aux frontières de la municipalité de Delhi, en tout cas de l'État de Delhi, mais qui ne dépasse pas du tout sur les autres municipalités. C'est plutôt inquiétant quand on voit ce genre de carte. On vous dit de manière intuitive, c'est complètement impossible et ça l'est. Voilà, je vous l'envoie. Vous avez une carte qui est beaucoup plus large. Donc voilà, effectivement, c'est pas tout à fait normal. Donc le Covid émerge effectivement dans ce contexte sanitaire plus qu'incertain sur la dengue. On voit qu'on pouvait conduire finalement des études dinguiennes à Delhi, mais ce que j'aurais jamais pu faire, par exemple, à Bombay ou ailleurs, sans parler des espaces ruraux, sans en tout cas mettre en place des études sérologiques dans la population. Donc, le Covid émerge au mois de mars, comme à peu près partout. Et puis, on atteint un premier pic qui se situe au mois de juillet. Puis, on a une lente décroissante de cette épidémie et on retrouve effectivement une croissance ces derniers temps. Donc, est-ce qu'on a une deuxième vague? On n'en est pas sûr. Parce qu'en fait, comme je le disais, l'Inde est un pays qui est relativement énorme. Donc, quand on s'intéresse en fait à la situation dans les États, ici on a trois États, on voit qu'il y a une synergie de ces épidémies. C'est-à-dire qu'on a eu Delhi qui a été rapidement affecté, certains autres États comme le Maharashtra ou le Tamil Nadu, qui ont été relativement affectés en même moment. Mais c'est surtout vers la fin de l'épidémie, en fait, on trouve que certains États vont émerger. Vous voyez par exemple Delhi, une épidémie qui s'arrête fin décembre, mais qui continue au Maharashtra. Ou dans certains autres États comme le Karnataka ou Goa. Donc, je pense qu'on n'a peut-être pas de deuxième vague, mais qu'on a surtout en fait, des États qui ont été touchés à différents moments. Donc, voilà. Certaines enquêtes épidémiologiques à Delhi font état quand même de 50% d'individus qui présentaient des anticorps IgM, donc des anticorps relativement récents. Ça me paraît énorme, mais je pense qu'il faut le croire parce qu'ils sont relativement sérieux dans leur démarche. Et je reviendrai d'ailleurs, hein, je vais montrer un petit peu ce qu'ils ont fait sur le terrain. Voilà. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est effectivement, on a travaillé, comme Benjamin le mentionnait, à étudier l'impact du Covid sur les mobilités, ce qui est relativement intéressant. On a l'habitude en géographie de la santé de faire l'inverse, c'est-à-dire d'estimer les mobilités pour estimer la diffusion d'un virus. Là, on peut faire l'inverse en fait. Pour la première fois, un virus a mis à l'arrêt les mobilités, ce qui est passionnant pour nous, hein. Donc on voit par exemple les évolutions des mobilités sur toute l'Inde. Donc, des mobilités qui ont chuté. Je peux donner des précisions, c'est vrai que c'est un peu confus. C'est-à-dire que Facebook va recenser la localisation des individus. Et puis, s'ils bougent de plus de 1 km 2, on sait que ces individus ont bougé. On sait le nombre d'individus qui ont été de A vers B. Et donc, nous, on peut voir le nombre de personnes qui ont bougé sur ce même laps de temps. 1 km 2, c'est plutôt une distance importante. Mais bon, néanmoins, on a un indicateur qui nous permet d'étudier cet impact. Donc, on a une réduction de 80% des mobilités en Inde, ce qui est relativement comparable à ce qu'on pouvait observer en France, avec évidemment un arrêt des… En fait, on a des villes qui se désemplissent, mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'en fait, on a un arrêt des mobilités des espaces ruraux vers les villes indiennes. Hein, c'est un phénomène général sur toute l'Inde, ce qui peut poser un problème dans le recensement. Pourquoi je mets ça? Parce que, comme je le disais avant, les espaces ruraux sont probablement moins bien surveillés que les espaces urbains. Donc, je vous invite à lire l'article qu'on a rédigé dans The Conversation qui explique bien ce phénomène qu'on a fait aussi sur la France avec des mobilités particulières qu'on a pu déceler vers les montagnes en fait, hein, qui ont précédé le confinement. Donc voilà, ce qui est intéressant de noter, c'est que de Covid-19 jusqu'en avril 2020 avait un système de surveillance similaire à la dengue, c'est-à-dire qu'on avait des tests qui étaient réalisés dans certains hôpitaux sentinelles et que ces tests étaient déployés par la municipalité, par les municipalités quand elles existaient ou par les États décentralisés dans les espaces ruraux. Ça a changé vraiment de manière très radicale en avril 2020. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gouvernement fédéral a décrété que le Covid était devenu un national disaster,
C'est-à-dire qu'en fait, on a une recentralisation du système de surveillance par l'État fédéral au travers de ces taxes collecteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur… C'est plutôt intelligent, hein, c'est vrai que si j'étais à la tête de l'État indien, je m'appuierais sur ces personnes-là. Pourquoi ? Parce qu'elles sont présentes sur tout le territoire. Donc, elles collectent les taxes, mais pas seulement. Hein, c'est-à-dire qu'elles vont aussi mettre en place… Les campagnes de vote, etc. Donc, elles sont présentes sur tout le territoire, j'insiste, quelle que soit sa caractéristique, c'est-à-dire milieu urbain, milieu rural. La base de données reste très centralisée, c'est-à-dire qu'elle est déployée par l'Indian Council of Medical Research, qui va, quelle que soit en fait la localisation du test, si c'est par exemple dans les hôpitaux, évidemment, ça va être, avec le test COVID-PCR est positif, ça va remonter vers cette base de données centralisée, mais ils ont très rapidement aussi intégré toutes les petites officines en fait, qui réalisent ces tests PCR, qui sont extrêmement nombreuses en Inde, c'est-à-dire qu'il y a un système de tests vers voilà, des petits laboratoires hein, qui sont là, et ils ont en fait déclaré ce Covid comme maladie à déclaration obligatoire, ce qui fait qu'on a beaucoup de cas, enfin je veux dire, il y a un maillage territorial relativement important qui a été réalisé, bien meilleur que la dengue, mais qui peut aussi avoir une confusion d'échelle, comme je vais l'expliquer après. C'est vrai que, par exemple, la municipalité de Delhi a été plutôt active pour gérer les épidémies de dengue, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de monde sur le terrain, mais il y a eu des conflits, hein, parce que la municipalité est un parti politique qu'on pourrait qualifier d'extrême-gauche, alors que ces collecteurs, ou l'État fédéral, on en est plus sûr, État à majorité de droite, voire d'extrême-droite d'ailleurs. Donc, il y a eu quelques conflits dans la gestion de ces épidémies à l'échelle très locale. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec certains district commissionnaire, ces taxes collecteurs, et d'autres refusaient complètement de travailler avec nous. Bon, j'avais un peu plus de mal de travailler avec des taxes collecteurs du BJP, mais bon, enfin, voilà, ça crée quand même un maillage assez intéressant, des conflits plus ou moins locaux, et puis c'est un dessin que j'aime beaucoup, ça. Par exemple, vous voyez, c'est un dessin qui a été fait au Kerala, donc à gauche, on a le ministre de l'État kéralais qui est présenté ici et qui place en fait la famille et puis les différents acteurs de la gouvernance sanitaire sous son parapluie. Ça a beaucoup déplu au gouvernement central qui a répliqué quelques jours après avec en rajoutant Modi, le premier ministre indien derrière, avec un parapluie beaucoup plus grand. Je trouve que ça présente bien cette confusion des échelles en fait hein, qui existe actuellement en Inde. Et voilà, ça c'est une carte par exemple des collecteurs de taxes, vous voyez ce qu'on appelle les sub-districts en fait. Donc à Delhi, on en a 27, donc c'est plutôt proche. Bon. Mais c'est en tout cas à cette échelle que vont être produites les données, ce qui est intéressant pour nous, mais pas trop, parce qu'en fait dans chaque district, on a à peu près 2 millions d'individus, donc je ne suis pas sûr que ça soit l'échelle idéale pour un géographe de la santé, j'y reviendrai. On a quand même des disparités extrêmement fortes selon les États. On voit par exemple, vous avez ici en vert, ce sont les États qui ont été qui ont peu de positivité, c'est-à-dire dans les tests réalisés, mais qui ont un nombre de tests relativement suffisant. Ça a été fait par des journalistes indiens en collaboration avec des chercheurs. Hein, encore une fois, je m'appuie là-dessus. Donc à droite, on trouve ces États-là. En bleu aussi, hein, c'est-à-dire des États qui ont un taux de positivité important, mais en obtenant plus de tests. Et puis à gauche, effectivement, les États qui ont réalisé très peu de tests ces derniers mois. On retrouve classiquement Delhi comme étant un point important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de tests qui sont réalisés à Delhi. On retrouve encore une fois le Kerala, etc. Puis dans les États qui ont réalisé peu de tests, on retrouve une fois encore le Uttar Pradesh, l'Haryana, etc. Donc voilà, on retrouve quand même des disparités importantes selon les États, il ne faut pas se leurrer. Qui sont le produit, à mon avis, de conflits tout à fois locaux, mais aussi d'une couverture sanitaire hein, en termes d'hôpitaux relativement lâche, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment les données, l'échelle de production des données, telles qu'on peut les trouver, telles qu'elles sont mises actuellement en libre accès par le gouvernement indien. Donc ça, c'est quand même un changement fondamental, hein, c'est-à-dire que pour obtenir les données dingues à cette échelle, sur la dengue, pardon que je me répète, j'ai dû moi-même contacter les chefs de district pour les obtenir. Ça a été un résultat extrêmement laborieux que j'ai vite abandonné pour me concentrer sur Delhi. Bon, déjà, on a une certaine forme d'ouverture des données, hein, ce qui est intéressante. Encore une fois, je ne suis pas sûr que ça soit une échelle d'analyse pertinente, hein, vu le nombre d'individus par district. Je veux dire, moi, je n'arrive pas à trouver des facteurs de risque à cette échelle-là, hein. À part même les mobilités, je trouve que c'est peu important. Donc, on a collaboré, comme je le disais, avec certains district commissioner. Ici, on a travaillé avec un district commissioner de Old Delhi. Donc, c'est-à-dire, c'est une zone extrêmement dense qui est dans Delhi, qui nous a fourni les localisations GPS des cas.
je n'ai pas pointé ici, qui nous a permis de faire des analyses de risques spatio-temporels, c'est-à-dire on a fait un StatScan classique en disant, bon, ben voilà, vous me pointez les clusters où il y a, par exemple, un nombre de cas importants localisés à moins de 100 mètres les uns des autres, dans une temporalité à moins de 100 mètres, par exemple. Donc, on a réalisé ce travail relativement récemment, et voilà, qui est en cours de route, mais c'est peut-être encore une fois une échelle, une résolution spatiale trop fine pour nous, parce que j'aime bien voir ce qui se passe à l'échelle de la ville, et on n'a rien à cette échelle-là. Donc, c'est soit des individus trop localisés, c'est-à-dire qu'on a des traces GPS sur certains espaces, mais pas d'autres, soit en fait une résolution spatiale trop mauvaise, donc à l'échelle des districts, sans rien entre ces différentes échelles, ce qui est extrêmement frustrant. J'aimerais souligner, parce que je pense qu'on arrive à la fin, cette carte, en fait. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives privées. Ça, c'est la municipalité d'Ahmedabad qui a réussi à coordonner ses districts commissionneurs, ses taxpayers, pour mettre en ligne cette cartographie des données GPS des individus confirmés positifs. C'est-à-dire que voilà, c'est sur toute la période. Vous voyez à droite, là, par exemple, donc on n'a pas le nom de la personne, ce qui est déjà pas mal, mais on a son âge et puis on a aussi sa localisation. C'est quand même relativement inquiétant. Il y a eu plus de 3 millions de visites sur ce site. La municipalité d'Ahmedabad était extrêmement satisfaite de montrer ce site et en plus, ce qui est, à mon avis, extrêmement dangereux. Pour le moins, notamment quand on sait les tensions religieuses qui existent et puis la ségrégation religieuse dans certaines villes, dont Ahmedabad. Donc voilà. Donc en conclusion, ça c'est le contact tracing, excusez-moi, une petite ellipse. Donc on a collaboré avec le Punjab, avec le Center for Policy Research. Donc je voulais mentionner ça très rapidement. On a eu en fait des problèmes, c'est-à-dire qu'on mettait en place des campagnes de sérologie dans certains quartiers, c'est-à-dire en disant à l'État du Punjab, vous devriez aller dans tel endroit, créer une espèce de petit centre de dépistage. C'était très difficile. En fait, on a eu moins d'1% de la population qui se rendait dans ces tests, parce que, pour plusieurs raisons, la plupart du temps, c'est parce qu'ils avaient peur de se faire infecter. On pourra effectivement pas leur donner tort. Mais surtout aussi parce qu'une fois qu'on est positif, il y a des gouvernements, c'est-à-dire les district commissionneurs ont énormément de personnes sur place qui vont pouvoir vous forcer en fait à l'isolation. Donc les populations refusaient cette chose-là. J'ai testé positif au mois de juin, je crois. Et en fait, il y avait des passages des health care trois fois par jour. Ils m'appelaient cinq fois par jour aussi. C'était assez lourd. Donc voilà, juste pour vous montrer une petite donnée qu'on a. Donc c'est vrai qu'on a réussi à faire des contact tracing qui sont relativement importants, qui étaient intéressants avec ces données-là. C'est-à-dire qu'on demandait au fait aux individus combien de personnes vous avez croisées la veille. Et puis l'État du Punjab, à l'échelle locale, allait voir ces personnes. Et puis sur une petite étude, on a testé environ 500 personnes, testait le cas index et puis les différentes personnes quand elles voulaient bien, avec qui il a été en contact. Donc, vous voyez par exemple, effectivement, que peu de personnes, en fait, en moyenne, on avait, pendant le lockdown, 90% des gens qui voyaient moins de 4 personnes la veille. Donc, c'est relativement restreint, ça a relativement bien marché. Et puis, on a le positive ratio en fonction du nombre de contacts et un très faible nombre de personnes qui voyaient beaucoup de contacts. C'était notamment, on a une personne qui avait vu 91 contacts la veille. C'est en fait parce que c'était un commerçant. Donc, ils ont tracé ces individus-là, ils les ont testés. En fait, ils ont vu que cette personne qui avait eu 91%, elle avait environ 30% de taux de positivité dans son entourage. Donc, heureusement, ça décroît, c'est-à-dire plus les personnes ont moins croisé d'individus, moins il y a de positivité, enfin plus il y a de positivité, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont vu moins de 4 personnes, c'est les personnes de leur famille. En fait. Et plus les personnes voient d'individus, moins il y a de positivité, mais quand même, en fait, cette personne qui a vu 91 personnes, en fait, c'était probablement un super spreader. Je ne suis pas sûr que ça répond à la question générale, mais je tenais à souligner parce que ça met en valeur ce qu'a fait le Center for Policy Research, je suis affilié à ce centre-là, donc en Inde. Voilà, donc en conclusion, c'est une épidémie qui a réellement changé la manière dont on surveille les épidémies, pour le bien ou pour le pire, c'est-à-dire que ça a eu un impact social extrêmement important, encore une fois, cette épidémie de coronavirus. Je pense que les personnes ont plus souffert de la pauvreté que réellement de l'épidémie, puisqu'on a moins d'1% de taux de létalité. Énormément de tests réalisés en comparaison avec la dengue, ce qui montre que c'est possible. On a souvent décrété l'Inde comme étant un pays pauvre, où rien n'était possible
où c'était réellement très difficile de réaliser les choses, j'en suis pas sûr. Et enfin, le dernier point qu'on a très peu exploré ici, mais que j'aimerais explorer dans le futur, c'est-à-dire que la géographie a été sous-utilisée. Ça, je pense que c'est vraiment lié en fait avec les faiblesses scientifiques de l'Inde, c'est-à-dire qu'on fait une géographie beaucoup plus qualitative. Je ne dirais pas que c'est moins important, évidemment, hein, mais c'est la géographie quantitative est très peu utilisée en Inde. Je pense que ça crée beaucoup de problèmes. C'est dommage parce qu'il y a un nombre de données assez importantes, que ce soit sur le Covid ou sur les données sensitaires classiques. Hein. Donc voilà, puisque ça répond un peu à la question d'entrée, comment on utilisait ces données? Ces données, à mon avis, étaient sous-utilisées, très, très largement d'ailleurs. Voilà. Olivier, merci beaucoup. Vraiment très intéressant. Une fois n'est pas coutume, on va disposer d'un temps de débat assez court, malheureusement. Aussi, je vais te poser deux questions très, très rapides avant de lancer le débat, si tu le veux bien. Deux questions de compréhension. La première est une question certainement un petit peu naïve liée à l'éthique. Lorsque tu présente une carte associant l'état de santé à des coordonnées GPS. Évidemment, en France, ce serait totalement impossible de faire ça. Est-ce que c'est encadré là-bas? Mais non, c'est justement pour ça que je l'ai mise. Hein. C'est que ça me paraît complètement aberrant. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, hein. Ce n'est pas moi qui utilise ces données-là. C'est la municipalité d'Ahmedabad qui, à mon avis, a voulu faire un ex-excel. Hein. Parce qu'en fait, ils ont eu des épidémies de malaria de dingue. Et puis l'état de Gujarat a même une épidémie de peste en 1998 qui a largement impacté le système de surveillance. Ils étaient extrêmement fiers de montrer qu'ils étaient capables de faire des choses extrêmement novatrices en fournissant les coordonnées GPS des individus positifs. Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Donc, moi, je n'ai même pas touché à ces données-là. Ce que j'ai fait, c'est cette carte-là, là, effectivement, où j'ai eu accès aux coordonnées GPS. Je montre les clusters, bon, ce qui peut déjà poser un problème, hein, mais je les présente là, on ne les a pas encore proposés, en fait. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on le fera, effectivement, parce que ça peut poser des problèmes éthiques. Ok. La deuxième question, c'est sur le rôle effectif des tax collectors aux district commissioners dans le suivi. Je n'ai pas très bien compris comment ils étaient chargés de manière effective du suivi épidémique. D'accord. En fait, ça se passe comme ça. Donc, si un individu va dans un hôpital, pas sentinelle parce qu'ils sont tous, qu'il se fait contrôler positif, la suite, c'est qu'effectivement, on va lui demander de rester à domicile. Donc, le tax commissioner va s'assurer que ces gens-là restent à domicile. D'accord ? Il va proposer des tests aussi aux membres de la famille. Donc, avec le personnel qui lui sert d'habitude à organiser les votes, etc., voire avec des personnels de la municipalité quand ça marche vraiment très bien. Donc, il a effectivement un rôle, je ne sais pas comment qualifier ça, hein, mais presque de police pour contrôler que ces individus ne vont pas bouger. Et puis, de mise à disposition des tests, c'est-à-dire pour inciter la population à se faire tester. Même dans un premier temps, il testait directement à domicile. En fait, ça a été… Ça a été un problème, mais c'est lui qui gère, parce qu'ils ne savaient pas conserver ces échantillons, donc ils ont choisi de passer à une autre stratégie, c'est-à-dire de développer ces petits centres de tests. Donc ils avaient très concrètement, c'est eux qui définissaient où est-ce qu'allaient être mis en place ces tests, donc ces petits hôpitaux, on va dire, et d'inciter la population à se faire tester, etc. Super, merci beaucoup pour tes réponses. On voit assez rapidement qu'on est face à quand même un certain nombre d'éléments communs aux trois régions étudiées aujourd'hui. On voit déjà qu'il y a généralement un noyau préexistant en termes de surveillance épidémiologique, très axé, ceci dit, sur les maladies à transmission vectorielle. On voit d'importantes disparités, hein, comme en Inde notamment, là, lors de la dernière présentation, en fonction des États. On voit que ces trois terrains également disposaient d'une expérience théorique dans la gestion des flambées épidémiques. Puis les présentations démontrent sans surprise, et je crois que tu le disais clairement, hein, Olivier, on voit ce que l'on cherche à voir, avec un fort lien notamment entre la hausse des tests et la hausse du nombre de cas. On observe également la synchronie entre les courbes épidémiques à l'échelle régionale ou locale dans les trois présentations. Ça peut suggérer, je ne sais pas, le processus de diffusion épidémique et refléter certains facteurs de risque. On voit également l'importance d'initiatives locales de suivi en complément des process de gestion à l'échelle des États. Toujours et encore les mêmes questions quant à la confiance que l'on peut accorder aux données avec, j'ai noté des chiffres différents en fonction des institutions d'un même pays en Équateur, des patterns épidémiques différents sur des pays voisins en Afrique de l'Ouest, des estimations revues à la baisse en temps réel. Aussi, avant de m'effacer et de céder la parole à l'auditoire, je vais essayer de lancer le débat par quelques questions générales et transversales à l'attention des trois intervenants. Évidemment, vous pouvez ou non répondre à ces questions ou prendre d'autres questions qui vont émerger. La première,
Est-ce que les données produites ou collectées sont utilisées au-delà du suivi pour questionner la diffusion épidémique, pour interroger les facteurs de risque de transmission? Est-ce qu'on a des pistes, est-ce qu'il existe des pistes pour comprendre l'évolution spatio-temporelle du phénomène, différence entre contexte urbain, contexte rural, la saisonnalité dont il a été question dans quelques publications, l'impact des variants? Une deuxième question, les données produites et collectées servent à la gestion de la crise. L'attitude des pouvoirs publics a-t-elle été dans ce cas, je pense que Emmanuel a abordé d'une certaine manière, une attitude de réaction face au franchissement d'un seuil ou d'anticipation face au comportement de la courbe épidémique? Et une troisième question un petit peu plus générale, quid du lien entre les données locales et les données des grands opérateurs? En effet, sur deux présentations du jour, les données locales sont finalement extraites notamment de la Johns Hopkins directement ou indirectement via World in Data dans la présentation de Fernando. Je m'efface désormais et je vous laisse la parole. Bon, je vais commencer. je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tes trois questions, Benjamin, mais sur l'histoire des variants, je pense que c'est intéressant d'en parler. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, parce qu'évidemment, on en parle ailleurs en Afrique, mais sur l'Afrique de l'Ouest, on ne parle pas du tout de ça. Je dirais que sur le Burkina, le Mali, on considère que c'est une épidémie qui concerne l'Europe et les pays développés. Hein. Ça ne les concerne pas, en fait. Là, je parle de la population. Mais si on discute aussi avec les autorités du Corus, moi je bosse avec eux, donc le centre d'urgence sanitaire, ils nous disent bien, ils disent oui, bon, il y a eu une deuxième vague, mais c'est parce qu'on a plus compté qu'on a eu une vague, on n'a pas de mort, cette épidémie ne nous touche pas au plus haut niveau. En fait. Alors évidemment, le ministre ne va pas tenir exactement le même discours, mais voilà, il n'y a pas de réaction comme celle-là. En termes d'anticipation, là, ce que tu disais, c'est vrai que dans ma présentation, j'ai montré que sur la première vague, ils avaient très fortement anticipé. Mais depuis, il n'y a plus grand-chose. En fait, là, sur la deuxième vague, le Sénégal a remis en place un couvre-feu, a fermé les bars, a fermé les restaurants, etc. Donc, vraiment des mesures similaires à la première vague. Au Burkina, il n'y a eu rien, absolument aucune mesure gouvernementale. Alors, vous voyez, sur la coupe, c'est quand même nettement supérieur. Donc là, on commence à avoir beaucoup de différences entre les pays, encore plus sur la suite de la pandémie. Quoi. Donc voilà, et la dernière question, c'était je ne sais plus quoi. L'utilisation données locales, des données, je crois. Ouais, bah données locales, nous. Données locales versus grands opérateurs. Bon, bah, voilà, je pense que ma présentation montrait bien que nous, on n'utilise que les données locales. Et les grands opérateurs, alors, pour la petite histoire, dans la salle du Corus où ils se réunissent pour faire leur conseil de défense à eux, il y a deux grands écrans géants. Et sur cet écran géant, il y a le site web du Corus avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure par district sanitaire, qui est de très grand niveau sémiologique. Là. Et puis la surveillance, le site web de Johns Hopkins. Et alors, je me bagarre pour qu'on mette les données de covid19afrique.com, mais... Au-delà de la blague, ils l'affichent à côté parce qu'ils trouvent que le dashboard est joli, en fait. Parce qu'à chaque fois, je leur dis, mais regardez, la donnée qui est affichée ici, elle ne correspond pas à celle que vous produisez vous-même parce que la date est différente et les taux sont différents. Ils me disent, non, mais ça, c'est parce que c'est joli, on aimerait faire la même chose. Donc, voilà, ils ne regardent pas du tout ce qui se passe à côté et ce n'est pas du tout une préoccupation. En tout cas, là, je parle du Burkina. Moi, très rapidement, si je peux faire écho à ce que tu viens de dire, Emmanuel, effectivement, nous, notre point d'entrée pour aller voir les district commissioners, c'était le dashboard. Ils étaient obsédés par ça pour faire comme Johns Hopkins. Du coup, ça nous a permis d'avoir les données. Mais effectivement, ils veulent absolument faire la même chose. Ils voient bien que Johns Hopkins, ce n'est pas crédible. Ils l'ont très peu utilisé. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, ça reste un peu l'arme du géographe. Hein, je ne sais pas s'il faut s'en plaindre ou pas, mais c'est un point d'entrée extrêmement intéressant pour nous. Ouais, c'est vrai de... Dire, voilà, on peut faire là. Et on l'a fait d'ailleurs, hein. On a mis à disposition un dashboard très simple de cartographie automatique et de détection des clusters, mais seulement dans un petit espace, malheureusement. Bon, et aussi un peu pour essayer de répondre à la question. Donc, il y a, sur la première question, sur s'il y a des données pour comprendre un peu les déterminants sociaux,
il y a une génération d'informations, mais malheureusement, ce n'est pas partagé avec les chercheurs. Donc, les données qu'on sait, c'est seulement ce qui sont présentées, mais sont des chiffres sont très limités. Mais à la base, donc, dans ces systèmes que j'ai présentés, normalement, il y a beaucoup plus d'informations qu'on pourrait utiliser. Donc, s'il y aura ces liens entre l'État, entre la production des données et les chercheurs, je pense qu'on aura plus de possibilités d'essayer de comprendre ça. Après, sur l'utilisation, si toute cette information a été utilisée pour s'anticiper, et dans le cas équatorien, plutôt les politiques ont été réactives. Et donc, c'est plutôt, par exemple, quand il n'y a pas de lits dans les hôpitaux qu'on prend des mesures, mais on n'a pas utilisé pour l'anticipation ces données. Pour la troisième question, on pose sur les liens entre les données locales et les grands opératoires. Bon, les grands opératoires, ils utilisent les données des services nationaux des substances. Et ça a été intéressant, et pour ça, moi, j'utilisais ces bases de données parce que dans les grands opératoires, on peut télécharger les données, on peut traiter ces données, mais ce n'est pas forcément le cas quand on voit les documents du Service national de gestion des risques. Donc, je pense que ça, c'est lié aussi à comment les personnes utilisent cette information. Et aussi, au niveau local, il y a eu des projets de génération d'informations avec des études séroépidémiologiques, mais ce sont des initiatives très locales. Donc, on ne peut pas utiliser ces données pour avoir une étude au niveau national pour comprendre mieux comment que ça se passe dans tout le territoire. Donc, on pose ça sur les trois questions. Merci à tous les trois. Je vois sur le fil de discussion une question de Françoise, à l'attention d'Emmanuel. Le taux de mortalité des pays africains est beaucoup plus faible qu'en France. Comment pourrais-tu l'expliquer ? Je ne sais pas. Je ne vais surtout pas m'amuser à faire le scientifique à des grandes théories devant tout le monde. Non, on ne sait pas. Il y a probablement une part qui s'explique par la pyramide des âges. Ça me paraît être ce qui est à peu près admis par tout le monde. Mais je m'arrêterai là. On n'a pas assez de fiabilité sur tout ça pour sortir une réponse totalement construite. Mais je pense que oui, effectivement, la jeunesse est quand même une des premières explications. Après, la deuxième, c'est probablement une meilleure préparation aux épidémies. Et puis, il ne faut pas exclure qu'on n'ait pas la totalité des chiffres qui soient présents. Hein, c'est, voilà. Mais il n'y a pas une surmortalité, comme je le répondais tout à l'heure. Et, question de Marc. Non, c'était pour ajouter que à l'initiative de Pierre Morand, nous sommes en train de regarder s'il n'y a pas de l'immunité croisée pré-Covid en Afrique, justement pour expliquer cette faible morbidité. Et avec les résultats préliminaires que l'on a, on observe pour certains antigènes plus de 20% de positivité dans la population pré-Covid à partir de sérums qui ont été conservés dans les freezers. Donc, il y a aussi peut-être une possibilité que d'autres coronavirus aient circulé ou circulent en Afrique et en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, et qui donne une immunité résiduelle qui fait baisser la susceptibilité des populations. En plus, bien sûr, de la pyramide des âges. Oui, et juste pour ajouter, je pense qu'il faut creuser différentes options, puisque la comparaison justement avec l'Amérique latine, là pour le coup, il y a vraiment un intérêt à comparer avec l'Amérique latine, où finalement on a une population qui peut être, qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, qui peut être jeune, avec des mesures précoces aussi, puisque les mesures ont été prises quand même assez rapidement, et avec des chiffres qui sont élevés, mais qu'on peut là aussi peut-être questionner. D'ailleurs, je me demandais même si dans le cas du Pérou, il n'y avait pas plus de morts qui étaient recensées concernant la Covid qu'il n'y en avait effectivement.
Je me suis vraiment posé la question justement en regardant la surmortalité. Et peut-être Evelyne a beaucoup mieux regardé parce que moi, je n'ai pas regardé. Mais si on prend la mortalité des années précédentes et qu'on rajoutait le nombre qui est indiqué de morts par Covid, on atteindrait des chiffres qui sont beaucoup plus élevés de mortalité annuelle telle qu'on les a aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... J'ai lu des analyses sur le sujet qui sont effectivement à un moment il y a un groupe de gens enfin qui ont essayé de démontrer qu'il y avait en fait peu de morts de Covid, mais en fait ça a été remis en cause immédiatement après par d'autres analystes qui ont montré que les données qui avaient été utilisées étaient des données préliminaires du service d'enregistrement des décès et que donc non, on pense au contraire plutôt qu'il y a plutôt 80 000 morts que 50 000 morts. Donc 50 000 morts, c'est en gros ce qu'on a là pour le moment dans la Johns Hopkins. Et vu le nombre de morts que je connais directement ou indirectement autour, je pense qu'on est... Non, il n'y a pas moins de morts que ce qui a été enregistré en tout cas. Mais juste, je voulais revenir là, oui, sur l'histoire de l'immunité, là, ce que disait Marc, mais aussi sur l'état de santé des populations, parce que j'ai regardé depuis notre dernier séminaire les taux d'obésité de la population. Et là, apparemment, le surpoids a un rôle important dans la mortalité par Covid. Et en fait, il y a des différences énormes entre les populations d'Amérique latine et, par exemple, la population de l'Inde, en termes de pourcentage de gens qui ont du surpoids. Et alors, je pense que Benjamin en sait beaucoup plus que moi sur ces questions-là, certainement, enfin, le lien entre les maladies et les comorbidités. Mais je pense qu'il y a un état de santé, enfin une incidence du diabète, de l'hypertension, du surpoids, qui est très, très différent en Amérique latine par rapport à des pays comme l'Inde ou certainement par rapport à une partie de l'Afrique. Voilà, je n'ai pas creusé plus, mais je pense que ça doit avoir un rôle très important quand même aussi. Marc ? Oui, paradoxalement, le diabète et l'hypertension sont assez élevés en Afrique, notamment l'hypertension. Donc, ça va à l'encontre, en fait. Mais la population est beaucoup plus jeune en Afrique qu'en Amérique latine, donc c'est... Enfin, je ne sais pas, jeune, je pense qu'il y a plein de... Ouais. Elle est pas très... A... Elle est plus jeune, mais elle est beaucoup plus hypertendue. Donc, c'est plutôt le diabète qui est le facteur de risque principal. Il y a beaucoup de autour de ces questions-là, oui, très certainement. Mais en tout cas, le surpoids, c'est très, 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 très frappant parce que appellent-ils une épidémie des maladies chroniques en Amérique latine qui rejoint l'Amérique du Nord, les pays européens. C'est surtout plutôt au Mexique, en fait, hein, que c'est très présent. Au Pérou aussi, en Colombie aussi, enfin non, c'est présent ailleurs aussi. Enfin, c'est plus au Mexique, certainement, oui, mais non, c'est présent ailleurs aussi. On a la chance d'avoir des situations contrastées. C'est vrai que on a souvent considéré le surpoids et le diabète comme un élément favorisant en fait la mortalité. Ce n'est pas qu'on le considère, hein, c'est qu'on le constate notamment oui. Au niveau du diabète, hein, c'est très net, en France en tout cas. Plutôt, ouais. Ouais. Une dernière intervention, Géraud, pardon. Oui, merci. Géraud. Oui, merci. Bon, les trois exposés étaient passionnants sur les différents biais suivant ce qui est mesuré, les échelles d'observation, ce qu'on peut en déduire ou pas. Enfin, et la question que je me posais finalement, c'est est-ce qu'il y a des données assez simples qui permettent des comparaisons parce qu'on a énormément discuté sur finalement ce que les données ne permettent pas de dire ou de comparer parce qu'elles étaient très partielles et très locales. Et est-ce qu'il y a des données qui permettraient des comparaisons nationales qui seraient relativement robuste, même approximative. Et est-ce que la surmortalité ne serait pas la donnée stratégique si on pouvait y avoir accès? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, alors elle est un peu décalée, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais est-ce qu'il y a des données sur les impacts économiques directs des mesures de contrainte qui expliqueraient justement pourquoi certains gouvernements comme le Burkina ne veulent pas ou ne semblent pas enclins à prendre de nouvelles mesures de restrictions, au-delà des chiffres très macro sur l'évolution du PIB, bon, calculé par le FMI, mais avec des données hyper macro, quoi.
Est-ce qu'on a des mesures sur l'impact des mesures de contraintes sur l'économie informelle? Sur sa deuxième question, il y a eu des études qui ont été faites en Inde. Je serais incapable de les citer, désolé pour cette non-réponse. Bon. Sur la première, effectivement, l'enjeu est important. Hein, je veux dire, sur les épidémies de dengue, Marc pourra répondre aussi à ça. C'est vrai qu'on n'a pas d'indicateur très simple. Hein, c'est-à-dire que pendant longtemps, je crois que la Thaïlande enregistrait tous les cas suspects de dengue. L'Inde, non, confirmé sérologiquement, ça crée des disparités énormes. Récemment, en fait, le seul élément qu'on a pour comparer en fait, ces maladies dans différents territoires, c'est vraiment de faire des enquêtes sérologiques assez larges. À Chennai, on pensait qu'il n'y avait pas de dengue. On s'est aperçu, John Hopkins s'est aperçu qu'il y en avait 90%. C'est-à-dire 90% des individus avaient déjà été infectés. Et le problème, en fait, de la surmortalité, c'est qu'on va se confronter à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'il y a des différentes populations qui sont probablement… Il y a des effets de comorbidité. Donc, ça va nous donner des indications, mais on va peut-être noyer ce qui est important, c'est-à-dire l'impact des différentes maladies entre elles, etc. Donc, si on observe moins de mortalité quelque part, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à développer, à aller chercher, en fait. Hein. Donc, je ne crois pas aux choses simples, en fait. Hein. Tant mieux, j'ose dire, parce que c'est lourd à mettre en place, mais il faut le faire, en fait. Il n'y aura pas de réponse uniforme, je crois, et pas d'indicateur uniforme là-dessus. C'est mon avis, mais bon, je ne sais pas s'il est partagé par d'autres. Moi, de donner écho, il n'y a pas grand-chose de fait au Burkina. Donc, vraiment, c'est très santé, sérologie aussi, et c'est probablement l'indicateur qui risque d'être celui qu'on va pouvoir comparer, parce qu'il y a énormément de campagnes de sérologie dans les pays africains. Là, les premiers chiffres en Guinée, au Sénégal, au Burkina, nous annoncent 20% de la population qui aurait été touchée. Maintenant, c'est à confirmer, mais ce sera probablement le seul indicateur qu'on pourra comparer, parce que quand tu parles, Géraud, de la mortalité, non, parce qu'en fait, en fonction des pays, on ne calcule pas les morts de la même manière. Donc, on ne les compte pas, parce que si vous êtes en zone rurale très éloignée, on va enterrer directement la personne et elle ne va même pas passer par la case recensement. Si je prends un exemple que je connais très bien, c'est celui des accidents de la route. Rien que pour les accidentés de la route, il y a trois manières différentes de compter les morts au Burkina. Donc, ceux qui sont morts direct sur la route, ceux qui meurent à l'hôpital et ceux qui meurent entre les deux, ils ne sont pas dans les mêmes registres donc, et ils ne sont jamais croisés. Donc, voilà, c'est clair qu'on ne peut pas utiliser cet indicateur-là et le comparer entre les pays parce que c'est probablement encore différent au Mali, au Niger, etc. Donc, voilà. Mais je voulais juste rajouter pour la surmortalité que ça pose un problème majeur qui est la diminution des contacts qui a fait chuter complètement la grippe, par exemple. Donc, il ne provoque pas de surmortalité cette année. Donc, il va falloir retrancher de la surmortalité Covid, donc qui augmente la surmortalité Covid. Et comme la grippe n'est pas répartie de façon uniforme dans le monde, ça pose des problèmes méthodologiques autres, de le fait qu'il y a une baisse considérable de certaines morbidités. Oui, en Équateur aussi, par exemple, la surmortalité, c'est compliqué de prendre comme mesure pour exprimer cette dynamique parce que, par exemple, on dit aussi qu'il y a eu un problème avec le malaria, même si on n'a pas de données. Et donc, un peu de la surmortalité peut-être qui est liée aussi à la malaria, donc ce n'est pas seulement le coronavirus. Et aussi, quand on prend la date de mort, donc, surtout dans ce moment où il y a eu beaucoup de morts, ça a été très difficile pour toutes les institutions de l'État pour raconter les données. Donc, c'est difficile aussi d'utiliser cette variable pour faire un suivi multitemporel. Donc, je pense qu'il faut compter ça. Mais si on veut chercher la meilleure indicateur pour exprimer, je pense que c'est la meilleure, mais même s'il y a tous ces éléments à prendre en compte. Fernando, je voulais juste poser une question ponctuelle. Tu n'as pas parlé de la dengue dans les maladies présentes en Équateur. Justement, juste avant l'épidémie de Covid, il y a eu une très forte épidémie de dengue dans le nord du Pérou, jusqu'en Argentine, je pense, enfin toute l'Amazonie, qui effectivement aussi fait qu'on ne sait pas au début de l'épidémie ce qui était attribuable à la dengue et ce qui était attribuable au Covid. En Équateur, il n'y a pas de forte incidence de la dengue dans la partie est du pays. Et, bon, je ne suis pas
perçu ça, mais de ce que je connais, oui, il y a la dengue, mais j'ai pris un peu les maladies pour lesquelles ce système est en train de prendre des données à ce moment. Mais je ne suis pas sûr de pourquoi la dengue n'est pas compris dans ce système. Ah d'accord, ce n'est pas compris dans le système, mais il y en a comme plus au sud, j'imagine. D'accord. Merci, c'est juste une question de détail. Avant de conclure, dernière intervention, dernière question de Daouda Kassieba, s'il vous plaît. Oui, bon, merci. Moi, je voulais juste apporter une petite contribution. Actuellement, moi, je suis à Madagascar et à entendre justement les différents échanges, je vois qu'il y a des préoccupations qui sont partagées à différents niveaux, notamment tout ce qui est évaluation de l'impact économique de la pandémie. C'est assez difficile, en tout cas à notre niveau, d'avoir des données là-dessus. Et on a, bon, je suis géographe de la santé, mais je fais également de la modélisation spatiale. Donc, j'ai une étude en cours qui consiste à évaluer le fardeau, justement, de l'épidémie à l'échelle de différents pays en utilisant des indicateurs macro avec une approche multicritère, puisque c'est un phénomène multicritère. L'idée, c'est de compiler différentes couches de données pour se dire, bon, on n'a pas de données concrètes. En utilisant des proxys, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de l'impact de la pandémie? Donc, c'est un sujet, la question des données, elle est très cruciale à mon avis. D'autant plus que si je viens au nombre de cas et au nombre de décès ici à Madagascar, le fait qu'on n'ait pas de CITRES et qu'on n'ait pas d'informations quotidiennes sur le nombre de données, à quelque part, ça gêne un peu tout ce qui est analyse statistique, tout ce qui est projection, tout ce qui est modélisation de la maladie. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a un certain nombre de préoccupations qui sont partagées, pas seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de la zone océan Indien ici. Voilà, qui nous pose aussi question quand on réfléchit sur la pandémie. Voilà, merci. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. Merci beaucoup, Daouda. Voilà, nous avons déjà dépassé, bien entendu, le temps qui nous était imparti. Sans surprise, c'était le cas au cours des sessions précédentes. Et bien entendu, je vais remercier Emmanuel pour sa contribution, et Emmanuel et moi remercions également Fernando et Olivier également pour leurs interventions vraiment, vraiment très intéressantes. Un plaisir. La séance du jour pose évidemment de très très nombreuses questions. On voit bien qu'on est au début d'un processus dans lequel la géographie aura vraisemblablement des choses à dire. Mon sentiment était qu'on se trouve un peu dans une phase de préliminaire de spatialisation d'indicateurs sanitaires dans un premier temps, et la géographie aura vraiment son mot à dire peut-être dans la deuxième phase où il va être question de questionner, je pense, les contextes à l'échelle des territoires. Une nouvelle fois, merci beaucoup aux intervenants. Merci également à l'auditoire qui nous suit depuis les deux premières séances. Évidemment, cette première phase de trois séances devrait peut-être être suivie par un acte 2 de cette initiative de Prodig. Je rappelle notamment à mes collègues qu'une réunion aura lieu au début du mois d'avril afin de voir comment transformer l'essai ou poursuivre ensemble nos réflexions. Voilà, je vous remercie beaucoup. Peut-être vais-je laisser la main à Géraud pour le dernier mot, et je vous dis en tout cas à très bientôt. Merci Benjamin, je n'ai pas prévu de conclusion formelle, hein. Je crois merci à tous, je crois que cette séance était très riche et elle ouvre de nombreuses pistes, donc ça donne aussi des idées pour continuer. Donc voilà, merci à tout le monde, et puis voilà, on est ensemble. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Merci, bon week-end. Merci, au revoir, à très bientôt. Merci, au revoir.